Bonsoir à tous. Alors, en l'absence du maire, je vais donc présider l'Assemblée. Merci d'attendre la période de questions si vous avez des questions. Et également, essayer de tenir cette Assemblée-là efficace et s'assurer qu'on réponde, comme je dis, à la période de questions et que ce soit le plus harmonieux possible. Donc, il n'y aura pas de petits mots, mais j'en ai un, moi, à vous donner, que vous avez su depuis donc le 26 août. Depuis 17 ans, donc, je participe assidûment aux instances et aux activités en lien avec le poste de conseiller municipal dans le district numéro 2. En étant soucieux de bien desservir tous les citoyens et citoyennes de mon district que de l'ensemble de la population juniennoise. Dans le contexte du dépôt récent de la commission municipale concernant le domaine de la fierté, j'ai entamé une profonde réflexion sur la façon dont il me sera possible de continuer à jouer un rôle positif, comme j'ai toujours fait au sein du conseil municipal, afin de disposer de toute la liberté d'action nécessaire dans l'exercice de mes fonctions. Je vous informe que je quitte officiellement l'équipe Richard Desormiers en date du 26 août et que je continuerai dorénavant à siéger à titre de conseiller indépendant du district numéro 2. Merci. Donc, passer à l'adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un propos. Oui? J'ai de quoi aller, s'il vous plaît. Allez-y. Avant d'accepter l'ordre du jour. Monsieur le maire, Madame la directrice générale, membre du conseil, chers citoyens et chères citoyennes, cette lettre s'adresse principalement aux employés municipaux qui, avec courage et patience, font preuve d'une résilience vis-à-vis certains citoyens, dont certains d'entre eux ne semblent pas saisir et comprendre que nos employés ne sont en rien responsables des moments difficiles que nous traversons depuis mars dernier et les mois qui s'en suivent. C'est pourquoi je demande à toute la population vis-à-vis nos employés municipaux de faire preuve de compréhension et d'indulgence dans les semaines et les mois à venir, notamment lorsque vous auriez besoin d'informations et des services auxquels vous avez droit. Aucun employé en poste ne peut être tenu responsable, malheureusement, de la situation qui nous prévaut actuellement à Sainte-Julienne. Pour ma part, mes deux collègues et moi, à la table du conseil municipal, soit M. Claude Rollin et Benoît Ricard, tout comme la conseillère indépendante, Mlle Ariane Boyer, ne cherchons et ne chercherons pas de faux fuyants pour se disculper d'une telle situation aussi chaotique que celle-ci puisse être et paraître. Donc, solidairement et ensemble, nous trouverons les solutions pour remédier à cette situation dans l'esprit que nul ne peut ignorer la loi. Merci à vous. Joyeux soir. C'est bon? Parfait. Pas d'autres interventions? Parfait. Alors donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je vais proposer, M. Noir. M. Ricard. Je vais seconder. Mme Boyer, tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal du 8 août 2022. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Je vais seconder. M. Rollin et M. Benoît Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Dépôt et lettre de démission du maire. On va laisser la parole à la directrice générale. Merci. Donc, conformément à l'article 316 sur la loi sur les élections et référendums, en ma qualité de greffière trésorière, je dépose la lettre de démission du maire Richard Desormiers en date de ce jour. Et permettez-moi d'en faire la lecture. Donc, c'est adressé à Mme la directrice générale. C'est avec le cœur lourd que je vous informe par la présente de ma démission de mon poste de maire de la municipalité de Sainte-Julienne. Cette décision est effective dès maintenant. Au service de Sainte-Julienne, depuis près de 9 ans, je quitte tout d'abord mon poste par respect pour mes concitoyens. Les Juliennois, Juliennoises, méritent un maire, une mairesse, qui pourra se consacrer entièrement au développement de notre communauté. Malheureusement, le litige en cours entre la municipalité et le domaine de la fierté
rend impossible la conjugaison de mon rôle de maire et de propriétaire et ainsi de pleinement assumer mes responsabilités publiques. Je réitère la bonne foi de part et d'autre dans cette situation et espère que ce malheureux épisode se termine sur une note positive pour tous. À titre de propriétaire du domaine La Fierté, je poursuivrai ma collaboration avec la municipalité en toute instance jugée nécessaire pour assurer une résolution rapide et raisonnable. Tous ont beaucoup appris ces derniers mois et il est maintenant temps de regarder en avant. Servir Sainte-Julienne et ses citoyens a été pour moi un honneur. Aujourd'hui marque la fin d'une belle aventure, une aventure que j'aurais bien aimé continuer encore plusieurs années. Je quitte déçue, certes, mais en bonne conscience. Je désire remercier chaleureusement tout le personnel de la municipalité, de la MRC de Montcalm, mes collègues mairesse et maire, et tous ceux qui font partie de mon équipe, l'équipe Richard Desormiers, dont le professionnalisme et la rigueur sont tout à leur honneur. Un grand merci aussi à tous les citoyens de Sainte-Julienne et bien sûr aux résidents du domaine de la Fierté qui m'ont donné leur confiance pendant toutes ces années. Sincèrement, Richard Desormiers. Merci. Madame la directrice. Donc, dépôt des documents. Documents, compte rendu divers et comité consultatif d'urbanisme. Approbation des comptes à payer. Monsieur Gollin, vous allez faire la lecture des 10 000 $ et plus. Exactement. Autobus Beau Soleil, transport camariste, 41 103 $ et 57 sous. Clôture MT, terrain de pétanque, parc Rougeau. Et parc Patnaud, 10 692,66. Entretien JR Villeneuve, balayage des rues, 63 618,32. Groupe EVTOX, détection de fuite eau potable, 71 514,45. GBI Expert Conseil, demande d'autorisation au ministère. Pour l'usine d'épuration, 11 784,94. MRC de Montcalm, Côte-Port, 22 601,15. Camariste, 73 012,10 $. Parallèle 54, remplacement de conduite, égout, rue Napoléon, rue Marsan, poste de sous-pression sur la rue des Roches, drainage rue des Sables pour 21 724,54. Saint-Tra, Pierre, MG20, 17 970,64. EBI, Ordure, 92 465,69, pour un total de 585 655,36. Et j'en fais la proposition. On prend un appuyeur. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Liste des chèques émis. Alors, on prendrait un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le maire. M. Rollin. Je vais l'appuyer. M. Benoît Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Accepté. Nomination d'un maire suppléant. Considérant que, qu'en vertu de l'article 116 du Code municipal, le conseil peut en tout temps nommer un conseiller comme maire suppléant, lequel absent du maire, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit la fonction du maire avec tous les privilèges, droits et obligations s'y rattachant. Il est proposé et résolu que le conseil nomme M. Joël Ricard, conseiller du district numéro 6, à titre de maire suppléant à compter du 14 septembre 2022, que celui-ci agira à titre de substitut du maire auprès de la MRC, que la présente résolution abroge et remplace toute résolution antérieure et incompatible avec la présente résolution, notamment la résolution 21-11R-431. Prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. maire. M. Rollin. Je seconde. Mme Boyer appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Nomination des comités.
Considérant le pouvoir dévolu au conseil municipal en vertu de l'article 82 du Code municipal du Québec, considérant que par la résolution 21-11R-451, le conseil a nommé des membres du conseil aux divers comités en vigueur, considérant que de récents événements requièrent une révision des membres et des délégués des différents comités en vigueur, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que la présente résolution abroge et remplace toute résolution antérieure et incompatible avec la présente résolution, dont notamment la résolution 21-11R-451. Que le Conseil nomme les membres différents des différents comités de la façon suivante. Comité plénier, tous les élus. Comité voirie, M. Claude Rollin et M. Joël Ricard. Comité incendie, Mme Ariane Boyer et M. Joël Ricard. Comité environnement, EPAC, Mme Ariane Boyer et M. Joël Ricard. Comité sécurité civile, M. Enoch et Robin Turcotte et M. Stéphane Brault. Comité relations de travail, M. Benoît Ricard et M. Claude Rollin. Comité urbanisme et aménagement du territoire, M. Claude Rollin et M. Benoît Ricard. Comité toponymie, M. Enoch Robin-Turcotte et M. Stéphane Brault. Comité loisirs et culture, événements spéciaux, sport, Mme Ariane Boyer et M. Joël Ricard. Comité finances, M. Claude Rollin et M. Benoît Ricard. Comité développement, services techniques et infrastructures, M. Benoît Ricard et M. Joël Ricard. Comité affaires intermunicipales et gouvernementales et municipales, M. Benoît Ricard et Mme Ariane Boyer. Que le conseil nomme également la déléguée suivante, persévérance scolaire, Ariane Boyer. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Rollin, qui appuie? Je vais seconder. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Nomination d'un délégué au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le conseil a adopté le règlement 858-12 constituant le comité consultatif d'urbanisme CCU, considérant que ce règlement prévoit la nomination d'un conseiller désigné pour siéger sur le comité, considérant que de récents événements requièrent une révision des membres, des délégués, des différents comités en vigueur, il est proposé et résolu que le conseil révoque le mandat de M. Stéphane Brault à titre de membre du CCU et assure son remplacement par la nomination de M. Claude Rollin, que la présente résolution abroge et remplace toute résolution antérieure incompatible avec la présente résolution, dont notamment la résolution 21-11R-455. Un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer, monsieur. M. Ricard. Je vais le seconder. M. Benoît Ricard. Tout le monde est d'accord? Autorisation aux signatures du compte bancaire, considérant la démolition de M. Richard Desormiers à titre de pardon? Démission, désolé. Lapsus ici. Considérant la démission de M. Richard Desormiers à titre de maire de la municipalité de Sainte-Julienne, considérant la nomination du conseiller M. Joël Ricard à titre de maire suppléant, à compter du 14 septembre 2022, considérant la nécessité de nommer un conseiller remplaçant en cas de vacance ou absence du maire suppléant, il est proposé et résolu que le conseil autorise, à compter du 14 septembre 2022, les personnes suivantes à signer les chèques et effets dans le compte bancaire Folio 400-529, de la municipalité de Sainte-Julienne, à savoir M. Joël Ricard, maire suppléant, M. Benoît Ricard, conseiller du district numéro 3, Mme Nathalie Girard, directrice générale et greffière trésorière, Mme Carole Follet, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Un proposeur et un secondeur. Je propose. M. Rollin. Je seconde. Mme Boyer, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mise en place des actions et mandat au procureur de la municipalité, domaine de la fierté. Considérant que le conseil municipal a précédemment pris acte du dépôt du rapport de la commission municipale daté du 27 juillet 2022,
Considérant que ce rapport était consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article 15 de la loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, considérant les conclusions et recommandations figurant à même ce rapport, considérant que le conseil municipal entend donner une suite appropriée aux conclusions et recommandations de la commission. Considérant de l'avis du conseil, la situation exposée, même le rapport doit être corrigé, notamment dans le souci d'équité envers l'ensemble des contribuables et résidents de la municipalité qui respectent la réglementation. Considérant que le conseil estime opportun de laisser une ultimement l'appréciation de la situation aux tribunaux, permettant ainsi toute partie impliquée d'exposer leur point de vue et défense dans le cas échéant. Considérant que le processus judiciaire, malgré les coûts qui impliquent, garantit à toute personne impliquée le droit d'être entendue, considérant que le législateur a prévu, même à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un recours approprié dans les circonstances exposées avant le rapport de la Commission municipale du Québec, considérant qu'il se trouve également à même la réglementation municipale certaines dispositions autorisant l'émission de constats d'infraction, les deux recours n'étant pas incompatibles l'un avec l'autre, considérant que le recours au processus judiciaire n'interdit pas l'examen en temps opportun des autres alternatives, lesquelles demeurent à ce stade prématurées. Considérant l'importance pour l'actuel conseil municipal d'envoyer un message clair à l'effet que la réglementation municipale doit être respectée par tous, sans exception, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Julienne. Il est donc proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante et explique les motifs sous-jacents à son adoption. Que le procureur de la municipalité, le cabinet Bélanger-Sauvé, soit désigné pour soumettre à la municipalité de Sainte-Julienne un projet d'action en justice fondé sur les dispositions pertinentes de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et destiné à être approuvé par le conseil préalablement à l'institution de la procédure. Que les procureurs soient également requis d'assister les représentants du service d'urbanisme de la municipalité pour la préparation de constats d'infraction devant être traité par la Cour municipale de la MRC Montcalm. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée auprès de la commission municipale à l'attention particulière du vice-président, Maître Denis Michaud, pour valoir suivi. Alors, on a parlé un proposeur et un appuyeur. Monsieur Turcotte se retire. Moi, je vais le proposer. Procès-verbal. Qui propose? Monsieur Ricard Benoît. Je seconde. Et M. Rollin appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Mandat à DCA comptable. Considérant l'évolution constante des normes municipales considérant l'évolution constante des normes comptables dans le monde municipal, considérant la municipalité, que la municipalité aimerait se prévaloir de services d'assistance professionnelle comptable, considérant que l'offre de services déposée par DCA Inc., il est proposé résolu que le conseil adhère à l'offre de services d'une banque d'heures proposée par DCA Inc., à compter du 13 septembre 2022, tel que décrit dans son offre de service datée du 8 septembre au montant de 5 200 $ plus les taxes applicables. Prendez un proposeur et un appuyeur. Votre proposé, M. le maire. M. Ricard. Un second. M. Rollin, tout le monde est d'accord? Oui. Congrès FQM, considérant que la Fédération québécoise des municipalités tiendra son congrès du 22 au 24 septembre 2022, considérant l'intérêt pour les membres du conseil d'y assister, il est proposé et résolu que le conseil autorise la directrice générale à procéder à l'inscription des membres du conseil pour assister au congrès annuel de la FQM et au paiement de ses frais.
que la directrice générale est autorisée à réserver l'hébergement nécessaire pour les membres du conseil participant à ce congrès, que les frais d'hébergement des 21, 22 et 23 septembre sont à la charge de la municipalité, que la directrice générale soit autorisée à rembourser les frais de déplacement relatifs à la participation à ce congrès sur les dépôts de pièces justificatives à cet effet. Ça prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. Monsieur Benoît Licorne. Je vais seconder. Madame Boyer, tout le monde est d'accord? Oui. Le droit supplétif. Considérant que la loi concernant le droit sur les mutations immobilières, chapitre D15.1, prévoit que toutes les municipalités doivent percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d'imposition établie par cette loi. Considérant que l'article 20.1 de cette loi précise que toute municipalité peut se prévoir qu'un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Considérant que la municipalité désire se prévaloir de ce privilège, il est proposé et résolu que le Conseil abroge sa résolution 11-06R-308, qu'un droit supplétif au droit de mutation doit être payé à la municipalité dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Que le montant du droit supplétif, de même que ses modalités d'application, sont ceux prévus à la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, dont, entre autres, les articles 20.1 et suivants. Ça prend un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer. Monsieur Licorne. Madame Boyer, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Contestation de la proposition de redécoupage des circonscriptions fédérales, soit le comté de Montcalm. Alors, considérant le rôle essentiel de la MRC Montcalm quant à l'occupation dynamique du territoire, notamment dans l'harmonisation des usages, considérant la synergie établie dans la MRC Montcalm comme communauté d'intérêt, comme pôle de développement économique, social ou environnemental, et le palier gouvernemental fédéral, considérant que la circonscription fédérale de Montcalm regroupe notamment toutes les municipalités de la MRC Montcalm, considérant que ce regroupement facilite la cohésion et la portée de la représentation politique, considérant que la proposition de redécoupage démantèle la MRC Montcalm en excluant les MRC, les municipalités de Saint-Calix, Saint-Ligory et Sainte-Marie-Salomé. Il est donc proposé et résolu que nous signifions à la commission municipale, de la délimitation des circonscriptions électorales fédérales, que nous voulons maintenir l'intégrité des municipalités constituantes de la MRC de Montcalm et de la Nouvelle-Acadie à l'intérieur de la circonscription électorale de Montcalm. En ce sens, nous nous opposons à la proposition déposée le 29 juillet dernier et souhaitons une proposition fondée sur la croissance du nombre d'électeurs et d'électrices inscrits sur la liste électorale plutôt que sur le nombre d'habitants pour y déterminer le poids politique d'un vote. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Bon. Alors, M. Turcotte, qui appuie? Secondé. M. Benoît Ricard? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Une petite pause. Pardon. Acquisition d'un terrain pour une école primaire. Considérant qu'en cohérence avec le développement de la municipalité, le Centre des services scolaires de Samar envisage de déposer un projet d'ajout d'infrastructure au ministère de l'Éducation pour la construction d'une nouvelle école primaire à Sainte-Julienne. Considérant
que conformément à l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique, chapitre 1-13.3, un centre des services scolaires peut requérir d'une municipalité locale qu'elle lui cède à titre gratuit un immeuble aux fins de la construction d'une école. Considérant que la municipalité ne possède pas actuellement de terrain correspondant aux exigences du Centre des services scolaires de Samar, il est proposé résolu que le conseil municipal s'engage à fournir à titre gratuit un terrain correspondant aux exigences du Centre des services scolaires de Samar pour la construction d'une nouvelle école primaire. Que le conseil municipal entreprendra des négociations avec différents propriétaires dans le but d'acquérir au meilleur coût possible un terrain correspondant aux exigences du Centre des services scolaires de Samar. Prendre un proposeur et un appuyeur. Je vais te proposer. M. Benoît Ricard. M. Turcotte, tout le monde est d'accord? Oui. Acquisition des lots 6,472,513 et 6,475,514 sur la rue du Repos. Alors, considérant qu'une résolution, que sa par sa résolution 21-10R-414, la municipalité autorisait le prolongement de la rue du Repos, considérant que suite aux opérations cadastrales nécessaires affectées conformément à la résolution, la municipalité peut maintenant se porter acquéreur des lots 6,475,513 et 6,475,514. Il est donc proposé et résolu que le conseil autorise la directrice générale et le maire à signer les documents nécessaires à l'acquisition sans frais des lots 6,475,513 et 6,475,514. Est-ce que c'est le maire, madame la directrice? Maire ou pro-maire? Maire, parfait. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Rollin, qui appuie? Je seconde. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Excusez-moi, j'avais oublié de lire un petit bout qui était marqué que les lots soient désignés comme voie publique et que cet usage soit enregistré tel qu'au registre foncier. Voilà. Appui au projet Cité des jeunes et Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, CJE, entend présenter le projet Cité des jeunes dans le cadre d'un dépôt d'intention au programme d'aide financier aux infrastructures jeunesse, considérant que le rôle que joue le CJE dans le développement de la jeunesse montcalmoise depuis 25 ans, considérant que le projet Cité des jeunes visant à mettre aux normes et au réaménagement les bâtiments situés au 24-17 rue Victoria, permettant aux jeunes montcalmois et à toute l'équipe du CJE d'avoir accès à un lieu davantage adapté à leurs besoins, il est proposé résolu que le Conseil reconnaisse l'importance du Centre jeunesse d'emploi de Montcalm dans le développement de la jeunesse montcalmoise et offre son appui au dépôt d'un projet de Cité des jeunes dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. Un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. Je seconde. Donc, M. Ricard, Mme Boyer appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Journée internationale des aînés. Considérant le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour la création de la Journée internationale pour les personnes aînées au 1er octobre et que cette journée est instaurée pour sensibiliser les citoyens. Considérant que cette résolution s'allume avec notre conviction et nos objectifs et nos projets pour souligner la Journée internationale des aînés, il est proposé et résolu que le Conseil proclame et souligne le 1er octobre 2022 à titre de Journée internationale des aînés. Un proposeur et un secondeur? Je propose. M. René? Je seconde. C'est bien, M. Ricard, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui, on est tous d'accord.
d'accord. Parfait. Alors, journée maintenant est mondiale de l'enfance. Considérant que chaque année, on souligne dans plusieurs pays la Journée mondiale de l'enfance et que c'est de l'initiative de l'Organisation des Nations unies que la date du 20 novembre a été choisie pour souligner cette journée spécialement dédiée aux droits des enfants. Considérant qu'à la municipalité de Sainte-Julienne, nous souhaitons souligner cette journée afin de faire connaître la Charte des droits et enfin des droits des enfants juliennois adoptés en avril 2018 et qu'ainsi les services culturels et récréatifs rediffuseront la vidéo conçue avec les élèves de l'École Notre-Dame de Fatima en 2021 afin de donner la parole aux enfants. Considérant qu'il est suggéré d'organiser une marche symbolique avec les enfants d'âge préscolaire et scolaire et que la date proposée est le 21 novembre 2022, il est proposé et résolu que le Conseil proclame et souligne le 20 novembre 2022 comme journée mondiale de l'enfance et qu'une marche symbolique soit organisée le 21 novembre prochain. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Madame Boyer. Je vais être secondé. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Nomination de la responsable administrative chargée du suivi du plan d'action MADA. Alors, considérant qu'à l'automne 2022, la municipalité de Sainte-Julienne, en collaboration avec la MRC Montcalm, a entamé la démarche visant à mettre à jour son plan d'action municipalité Amis des aînés, et considérant que pour assurer le suivi du cheminement du plan d'action MADA, Il y a lieu que le Conseil procède à la nomination d'une responsable administrative. Considérant que le Conseil, donc il est proposé résolu que le Conseil, suivant les recommandations du CCL, du comité CCL, nomme Mme Nathalie Lépine, directrice des services culturels et récréatifs, à titre de responsable administrative chargée du suivi du plan d'action MADA. Un proposeur et un secondeur? Va être proposé. Monsieur Benoît Ricard? Je vais seconder. Monsieur Joël Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Embauche d'étudiants, plateau sportif. Alors, considérant que la municipalité doit procéder à l'embauche d'étudiants afin d'effectuer la surveillance lors de ces activités, considérant que la recommandation de la directrice des services culturels et loisirs, il est proposé et résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'embauche d'Eliott Girard, Léa Parent et Fabien Taillon à titre de surveillant de plateau à temps partiel conformément aux modalités de la Convention collective d'École Blanche. Un proposeur et un secondeur? Madame Boyer. Je seconde. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Entente de financement dans le cadre de l'ICCS, terrain de pétanque. Alors, considérant que la municipalité a déposé une demande de subvention auprès du Fonds communautaire Canada afin d'obtenir une subvention pour le terrain de pétanque, qu'afin d'obtenir la subvention provenant du fédéral, il est nécessaire pour les municipalités d'obtenir une autorisation M30 du gouvernement du Québec en vertu des lois sur les ministères du Conseil exécutif du Québec. Considérant que le Conseil demande au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure cette entente, il est proposé et résolu que le Conseil approuve l'entente « Funding Agreement for CHCI M30 ». La municipalité de Sainte-Julienne demande au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure cette entente et que le maire et la directrice générale soient les personnes autorisées à signer. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais proposer. Monsieur Joël Ricard. Je vais l'appuyer. Oups, Monsieur Turcotte. Monsieur Turcotte, désolé. Tout le monde est d'accord. Oui, j'espère. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. UMQ, chlorure de sodium.
2022-2023, considérant que la municipalité a confié à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui d'autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de sel et de déglaçage du chlorure de sodium. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil octroie le contrat d'approvisionnement de chlorure de sodium pour l'hiver 2022-2023 à Mines Salaine au montant de 91,19 $ la tonne métrique, transport inclus pour les taxes applicables selon une quantité estimée de 1400 tonnes métriques à partager entre les années financières 2022 et 2023. Un proposeur et un secondeur? Je propose. Monsieur Rollin, Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Déneigement des rues et chemins. 2022-2023. Alors, considérant que le directeur des travaux publics a procédé auprès de l'entrepreneur local à des demandes de prix pour la réalisation de travaux de déneigement des rues municipales inaccessibles, à l'équipement de déneigement de la municipalité et à certains espaces, considérant que les offres de services reçues, le directeur des travaux publics recommande d'octroyer le contrat de déneigement pour la saison 2022-2023 aux entrepreneurs ayant soumis un prix. Il est donc proposé et résolu que le Conseil accepte d'octroyer les contrats de déneigement de certaines rues pour la saison 2022-2023 aux entrepreneurs et au coût suivant pour le tout plus les taxes applicables, donc déneigement à Péloquin. As-tu le montant global? Non. OK. OK. Donc, déneigement EP, je m'excuse, déneigement Boulatec, déneigement Péloquin, la douceur du terroir, ainsi que ces contrats sont en vigueur pour la période du 1er novembre 2022 au 15 avril 2023. Qu'une autorisation soit donnée au chef des finances d'effectuer le paiement de ces contrats en 5 versements à compter du 15 décembre à raison de 20 % par mois. Proposeur et secondeur? On va le proposer. Monsieur Ricard? Je vais le seconder. Monsieur Ricard, Joël. Tout le monde est d'accord? Oui. Déneigement de la patinoire 2022-2023, considérant que depuis des années, quelques années, la municipalité offre aux citoyens l'accès à une patinoire et un rond de glace durant la période hivernale, considérant qu'il y a lieu d'entretenir la surface et de déneiger les abords afin d'assurer la qualité de la glace, il est proposé et résolu que le Conseil octroie à Déneigement Péloquin pour la période du 2022-2023, le contrat d'entretien et de déneigement des sentiers, tel que décrit au plan la grande patinoire ainsi que la patinoire pour enfants, au montant de 20 550 $ plus les taxes applicables. Autorise le chef de division finances à effectuer également le paiement selon les modalités prévues. Un proposeur et un secondeur. Monsieur Turcotte. Je vais seconder. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Déneigement des espaces publics, s'il vous plaît. Considérant par sa résolution 21-09-A-369, le Conseil a mandaté l'entreprise Malisson pour le déneigement des stationnements publics, des portes d'accès et des trottoirs et l'épandage d'abrasifs. Considérant l'ajout de 2 emplacements qui nécessitent d'être redéneigés pour l'année 2022-2023, considérant l'offre de service déposée par l'entreprise Malisson pour l'ajout du stationnement supplémentaire à la bibliothèque et le stationnement au 2250 route 337, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à mandater l'entreprise Malisson pour le déneigement des emplacements suivants pour la saison 2022-2023, selon l'offre de service déposée, plus les taxes applicables.
soit le stationnement supplémentaire à la bibliothèque, 600 $, et le stationnement du 2250 route 337, 750 $. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Bien secondé. Monsieur Rollet et Monsieur Benoît-Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Embauche de journaliers chauffeurs. Considérant les postes de journaliers chauffeurs laissés vacants, considérant les recommandations du directeur des travaux publics et de la directrice générale, il est proposé résolu que le Conseil autorise la directrice générale à procéder à l'embauche des candidats suivants à titre de journalier chauffeur régulier, soit Mélissa Léonard en date du 14 septembre 2022, Pierre Régimbal en date du 26 septembre 2022 et André Giroux en date du 26 septembre 2022, le tout conformément à la convention collective en vigueur des cols bleus. Un proposeur et un appuyeur. Monsieur Ricard. Je seconde. Monsieur Rollin, tout le monde est d'accord? Oui. Certificat de paiement numéro 2, domaine Malo. Considérant que par sa résolution 22-05-R-202, le Conseil a mandaté l'entreprise Cintra afin de réaliser les travaux de décohésionnement et de resurfaçage de la rue de domaine Malo, soit le dossier 401-110-233. Considérant l'avance, l'état d'avancement des travaux, considérant la recommandation du paiement numéro 2 déposé par M. Michel Raymond, directeur des travaux publics, ingénieur, il est proposé résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir à toute fin que de droit que le Conseil autorise le versement d'un montant de 329 450 $ plus les taxes applicables et incluant la retenue contractuelle de 10 % à l'entrepreneur Cintra, conformément au certificat de paiement numéro 2 déposé par M. Michel Raymond, directeur des travaux publics, ingénieur, daté du 31 août 2022. Un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Ricard. M. Secondé. M. Joël Ricard. Tout le monde est d'accord? Oui. Certificat de paiement numéro 1, réfection des tronçons de pavage. Considérant que par sa résolution, le Conseil a octroyé les contrats de réfection de divers chemins à l'entrepreneur 9306-1380 Québec Inc. au montant de 1 753 980,58 incluant les contingences et les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions de sa soumission datée du 31 mai 2022, ainsi que les documents d'appel d'offres et devis. Considérant l'état d'avancement des travaux, considérant la recommandation de paiement numéro 1 déposée par M. Michel Raymond, directeur des travaux publics ingénieurs, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'un montant de 363 509,76 $ plus les taxes applicables à l'entreprise 9306-1380 Québec Inc. selon le certificat de paiement numéro 1 déposé par le directeur des travaux publics, M. Michel Raymond. Un proposeur et un secondeur. Allez proposer. M. Benoît Ricard. M. Secondé. Monsieur Joël Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Certificat de paiement numéro 6, libération de la retenue des entreprises Philippe Denis pour le 2050 route 337. Alors, considérant la résolution 21-05X-238, le Conseil a octroyé le contrat de réaménagement et la mise aux normes du 2250-337 aux entreprises Philippe Denis Inc. Considérant la recommandation de paiement numéro 6, représentant la libération de la retenue de 5 % de 8 832,58 $ plus les taxes applicables déposées par Ricardo Laeteo, architecte chez BG Architecte, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le paiement du certificat numéro 6 de la libération de la retenue de 5 % au montant de 8 832,58 $ plus les taxes applicables
aux entreprises Philippe Denis Inc., le tout selon les recommandations de Maxime Carl Gilbert, architecte chez BG Architecte. Proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Rollin. Monsieur Turcotte. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de PIA pour le PIA 2022-00443 pour le 1270 route 125. Alors, considérant qu'une demande de PIA a été déposée sous le numéro 2022-00043 pour cette adresse, considérant qu'une demande vise à permettre le remplacement des enseignes murales et sur poteau, considérant que le comité consultatif a étudié sa demande, la demande le 25 août dernier et déposé ses recommandations au Conseil, il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIA 2022-0043 pour le 1270 route 125 tel que présenté. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. Je propose. Madame Boyer. Monsieur Turcotte, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de PIA pour le 1759 route 125. Alors, une demande de PIA a été déposée sur le numéro 2022-00047 pour cette adresse, considérant que la demande vise à permettre l'installation de deux enseignes en vinyle sur fibre de verre rétro-éclairé avec un lettrage vert et noir sur fond blanc, dont une sur poteau de 0,81 m par 1,82 m et une autre sur le bâtiment de 0,6 m par 4,11 m. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 25 août dernier et déposé ses recommandations au Conseil, il est proposé et résolu que le Conseil accepte cette demande de PIA conditionnellement à ce que la base de béton de l'enseigne soit repeinte si ce n'est pas déjà fait. Un proposeur et un appuyeur. Un proposé. Oups. Monsieur Ricard, Monsieur Turcotte, appuyez. C'est bon, tout le monde est d'accord. Demande de dérogation mineure sur 850 rue de la Plage. Alors, considérant la demande de dérogation mineure qui porte le numéro 2022-0051 pour cette adresse, et que la demande vise à permettre la subdivision d'un lot de du lot 4 400 018 pour en faire un lot de 279 mètres carrés et de céder une portion de terrain de 139,35 mètres carrés pour le jumeler au lot voisin, soit le lot 2,539,750. Considérant que l'objectif de la cession de terrain est de permettre au propriétaire du 856 de la Plage d'implanter un système septique conforme à la réglementation provinciale, autre qu'une fosse scellée à vidange périodique, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 25 août dernier et a déposé ses recommandations au Conseil, avant de faire la proposition, j'invite toute personne qui voudrait se faire entendre sur ce point, peut le faire au micro. Alors, il n'y a personne. Alors donc, il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2022-0051 pour le 850 rue de la Plage, telle que présentée. Je vais en faire la proposition. Le second. Et puis, M. Rollin, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure pour le 1145 rue Régent. Alors, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée sous le numéro 2022-0052 pour cette adresse, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage en marge avant et à régulariser un garage attenant situé à une distance de 0,81 m de la ligne latérale, alors que la réglementation municipale exige un minimum de 1,5. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 25 août dernier et déposé ses recommandations au Conseil,
Alors, avant de procéder là, à l'approbation conditionnelle, ben, juste avant, c'est, j'ai proposé donc et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation du garage attenant à 0,81 m de la ligne latérale de propriété et visant à autoriser l'implantation en cours-avant d'un garage détaché aux conditions suivantes. Le garage détaché devra être situé à un minimum de 10 m de la ligne de propriété avant et le côté le plus étroit du garage devra faire face à la rue Régent pour atténuer l'impact visuel du garage. Si une personne veut se faire entendre sur cette demande, peut le faire. Combien de personnes vont faire la proposition? Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais t'appuyer. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure pour le 3815 Chemin Bonheur. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée sur le numéro 2022-0053 pour cette adresse, considérant que la demande vise à régulariser les positions de la résidence, de la remise ainsi que de la serre domestique, qui sont les suivantes. La résidence qui est située à 3,2 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors que la réglementation exige un minimum de 7,6. La remise qui est située à 0,22 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors que la réglementation exige un minimum de 1,5 mètres. La serre domestique qui est située à 1,98 m de la ligne de l'eau avant secondaire, alors que la marge minimum prescrite est de 7,6 m, en plus d'être située en marge avant. Considérant que le comité consultatif a étudié la demande le 25 août dernier et déposé ses demandes, ses recommandations au conseil, il sera proposé et résolu que le conseil accepte de régulariser l'implantation de la résidence dans le cadre de la demande de dérogation mineure pour le 3815 Chemin Bonheur, mais le positionnement de la remise et de la serre devront être corrigés afin d'être conformes à la réglementation municipale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre cette demande? Vous pouvez le faire. OK, c'est pas... Ça l'aurait pu. Alors, donc, je vais en faire la proposition. Je seconde. Non, mais... Monsieur Rollin. Monsieur Ricard appuie, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ricard, Monsieur Rollin. Oui. Ah, c'est Monsieur Rollin? Oui. Désolé. Alors, Monsieur Rollin, merci. Tout le monde était d'accord? Demande de PIA pour le 1398 route 125. Considérant qu'une demande de PIA a été déposée sur le numéro 2022-055 pour cette adresse, considérant que la demande vise à permettre l'aménagement d'un muret de blocs de béton ouvragé de 76,2 mètres de longueur par 0,91 mètres de hauteur en stone terra ou stone urbain. Considérant que le comité consultatif a étudié la demande, le 25 août dernier a déposé ses recommandations au conseil, il est donc proposé que le est résolu que le conseil recommande d'accepter la demande de la PIA 2022-0055 pour le 1398 route 125 pour la confection d'un muret avec bloc présenté en option 2 dans le cadre de la demande. Alors, je vais en faire la proposition. Qui appuie? Je veux seconder. Benoît. Merci, M. Ricard. Tout le monde est d'accord? Oui. Modification de la résolution 22-01-R-026, attribution d'un nom de rue au lot 4 083 121. Alors, considérant la résolution 22-01-R-026, la municipalité attribuait le nom de rue au lot 4 083 121 situé entre le chemin du gouvernement et la route 125. Considérant la dénomination de la rue adoptée, soit Josapha Martin,
ils ne correspondaient pas précisément à l'orthographe du nom de la personne en mémoire à laquelle la rue a été nommée. Considérant qu'il y a lieu d'affecter une correction nécessaire et d'acheminer une copie à la Commission de toponymie du Québec, il est proposé et résolu que la résolution 22-01-R-026 soit modifiée afin que la dénomination de rue donnée au lot 4 083 121 se lise comme suit: Josapha-Martin. Que le Conseil autorise le service d'urbanisme de la municipalité à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la commission de toponymie afin d'effectuer la modification adéquate. Proposeur et secondeur? Je vais le proposer. Monsieur Ricard? Monsieur Turcotte? Tout le monde est d'accord? Oui. Création d'un nom de rue, lot 106 398 742 au domaine McGill. Considérant que par sa résolution 21-07-R-306, le Conseil a accepté le projet de développement résidentiel pour la création d'une nouvelle rue sur le lot 6 398 742. Considérant que dans le cadre de cette résolution, aucun nom n'a été attribué à la rue en construction. Il est donc proposé et résolu que le Conseil nomme la rue de Vinci la voie publique constituée du lot 6 398 742 et que le Conseil autorise le service d'urbanisme de la municipalité à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la commission de toponymie afin d'actualiser cette nouvelle dénomination. Ça prendra un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Rollin. Je vais seconder. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Changement de dénomination pour la rue Place du Sapin, l'avenue des Sapins et la rue des Sapins au domaine Patrie. Considérant que les voies publiques constituées des lots 4 305 0033, 4 304 977 et 4 304 981 situés dans le domaine Patrie portent respectivement les noms de rue des Sapins, Place des Sapins et Avenue des Sapins. Considérant que l'intérêt des citoyens et du service d'urgence, il y a lieu de donner des noms de rue distincts à ces différentes voies publiques afin de faciliter le repérage et l'identification. Considérant la recommandation du comité de toponymie, il est proposé et résolu que le Conseil nomme Avenue Saint-Jean la voie publique constituée du lot 4 305 033, puisqu'il s'agit du prolongement de l'avenue Saint-Jean existante. Nomme la rue Rosan la voie publique constituée du lot 4 304 977, puisqu'il s'agit du prolongement de la rue Rosa existante. Et nomme la rue du G-Bleu, la voie publique constituée du lot 4 304 981. Conserve les numéros d'immeubles actuellement donnés aux bâtiments existants sur ces voies publiques. Autorise le service d'urbanisme de la municipalité à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la commission de toponymie afin d'officialiser ces dénominations. En proposant un secondeur? Je vais proposer. Alors, M. Rollin, M. Ricard appuie? Oui. Parfait, tout le monde est d'accord? Oui. Cession du lot 3 441 825 Chemin Lamoureux. Considérant une offre d'achat visant le lot 3 441 825 situé sur le chemin Lamoureux qui a été déposé par M. Alexandre Côté, l'entreprise 93-74-79-47 Québec Inc., considérant que l'offre déposée est de 22 200 $ soit la valeur au rôle de cet immeuble, considérant la recommandation du comité d'urbanisme, il est proposé résolu que le préambule fait partie de la présente résolution pour valoir à toute fin que de droit, que le Conseil autorise la vente du lot 3 441 825 situé sur le chemin Lamoureux à M. Alexandre Côté par l'entreprise
et à l'entreprise 9374-6947 Québec Inc. pour la somme de 22 200 $. Que tous les frais relatifs à la vente soient à la charge de l'acquéreur, que ce terrain soit vendu sans aucune garantie légale que celle détenue par la municipalité, que seul le dépôt d'un rapport de technologue accrédité démontrant l'impossibilité d'installer une installation sanitaire conforme sur le lot pourrait être considéré comme une condition d'annulation à la dite session, que l'acquéreur s'engage à y construire un immeuble au plus tard 3 ans après l'acquisition du terrain. Cette obligation fait partie de l'acte translatif. Advenant que l'acquéreur ne remplisse pas cette condition, la vente deviendra nulle, caduque, le terrain reviendra propriété, et ça, peu importe si les travaux qui auraient pu y avoir été exécutés sur le terrain dans ce délai. Que la clause qui stipule que la construction de la résidence dans un délai de 3 mois suivant la signature, 3 ans, excusez-moi, 3 ans, s'annule suivant la signature de l'acte notarié, s'annule d'elle-même dès que l'acquéreur aura rempli les obligations prévues et que la construction aura été complétée. Que le maire et la directrice générale, et en leur absence, ma suppléante directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout acte et document nécessaire à la dite transaction. Proposeur, secondeur. Je vais proposer. Monsieur Géricard. Le second. Monsieur Rollet. Tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion. Monsieur Rollin. Oui, exact. Moi, Claude Rollin, donne avis de motion qu'à une séance du conseil subséquente sera adopté le règlement numéro 1048-22 intitulé « Règlement modifiant le règlement d'emprunt 803-11 pour l'achat de 2 camions pour le service de sécurité incendie » et dépose le projet de règlement à cet effet. Prendre un appuyeur. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième avis de motion concernant le renouvellement des conduites d'égouts et d'aqueducs dans le secteur de Noyau villageois. Monsieur Rollin. Moi, Claude Rollin, donne avis de motion quant à une séance du conseil subséquente sera adopté le règlement numéro 1049-22 intitulé « Règlement modifiant le règlement 682-10, renouvellement des conduites d'égouts et d'aqueducs dans le secteur du noyau villageois » et dépose le projet de règlement à cet effet. Alors, vous en faites secondaire. Vous en faites la proposition? Oui. Parfait. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion, règlement modifiant pour la création d'une réserve financière pour le service d'égout municipal. Monsieur Rollin? Oui. Moi, Claude Rollin, donne avis de motion qu'à une séance du conseil subséquente sera adopté le règlement numéro 1050-22 intitulé « Règlement modifiant le règlement 723-08 pour la création d'une réserve financière pour le service d'égout municipal et dépose le projet et le règlement à cet effet. » Ça fait la proposition. Merci d'en faire la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion au règlement 1051-22, modifiant le règlement 855-12 pour le fonds de roulement. Monsieur Rollin? Moi, Claude Rollin, donne l'avis de motion qu'à une séance du conseil subséquente sera adopté le règlement numéro 1051-22. Intitulé « Règlement modifiant le règlement 855-12 ayant pour objet l'augmentation des fonds réservés au fonds de roulement et dépose le projet de règlement à cet effet. » Et je vais faire proposition. La proposition qui appuie? Je vais l'appuyer. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Il reste plus gros, Monsieur Rollin. Alors, avis de motion, règlement d'emprunt pour la station de suppression. Moi, Claude Rollin, donne avis de motion qu'à une séquence du conseil subséquent sera adopté le règlement numéro 1052-22 intitulé « Règlement décrétant un emprunt afin de financer la subvention à recevoir dans le cadre de la TECQ et qu'à
approprier la municipalité au financement des travaux de réfection du poste de surpression des roches. Il dépose le projet de règlement à cet effet. Et je fais proposition. On a fait la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Monsieur Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion, règlement 10-53-22 concernant le taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Monsieur Rollin? Moi, Claude Rollin, donne l'avis de motion qu'à une séance du Conseil subséquente sera adopté le règlement numéro 10-53-22 intitulé « Règlement fixant un taux de droit de mutation applicable au transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $ et dépose le projet de règlement à cet effet. J'en fais la proposition. La proposition qui appuie? Je seconde. Madame Boyer, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de l'agenda. Avant de débuter la période de questions, des questions à répondre le mois dernier. Alors, on avait une question qui était de M. Martineau, alors concernant les rues, le déneigement, pour... le contrat de déneigement, M. Carole, d'excavation Carole, sur et concernant les campings de fierté, exactement, et d'autres à l'extérieur, d'une résolution qui est la résolution 15-09-317. Bref, la réponse, c'est que la résolution 15-09-317 octroyant le contrat de déneigement excavation Carole pour les hivers 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 n'incluait aucune rue mentionnée ci-haut, soit les rues Côte-Saint-Paul, Villa-des-Pins, Val-des-Cèdres et les rues du domaine de la elles étaient effectuées par les employés colbleus de la municipalité jusqu'en 2020. Le nombre de kilomètres déneigés par ce contrat était de 32,09 kilomètres. Par sa résolution 20-09-A-366, le Conseil a octroyé à l'entrepreneur un nouveau contrat suite à l'appel d'offres public dans lequel se retrouvaient les rues du domaine de la fierté ainsi que plusieurs autres domaines. En retirant les rues du domaine de la fierté, nous avons ajouté les trois rues afin de conserver le 50 km au chemin prévu au contrat. Le nouveau contrat représente 50 km de parcours. Il y avait aussi une question à savoir si le déneigement avait été fait par manque d'argent, tout ça, ou si c'était illégal. En fait, les critères d'accessibilité n'étant pas pleinement respectés, le correctif a été fait. C'est la réponse que je donne. Autre question, M. Luc Larocque. Excusez-moi. Il y a eu des bouts de questions et réponses, là. Attendez une seconde. Ah oui, concernant le fossé, l'environnement, qui va payer pour le fossé, si c'est contaminé, d'où vient la contamination, le cas échéant, etc. Alors, la réponse, c'est que, tout d'abord, les études préliminaires réalisées n'ont pas démontré la présence de contamination problématique. Le ministère de l'Environnement a demandé une caractérisation des sols de phase 2 pour valider ou non la présence de contaminants parce qu'il s'agit d'un fossé, d'une rue ou de divers contaminants qui auraient pu se retrouver de l'huile, de l'essence, celle de déglaçage. Donc, c'est à cause là, de cette caractérisation-là de type. Alors, voilà pour cette réponse-là. Question, madame, ça a été répondu. Madame, excusez-moi, madame du domaine Patnaud.
Désolé, on n'a pas son prénom. Ça n'a malheureusement pas sorti à l'enregistrement. On s'en excuse. Alors, donc, cette dame-là, je n'ai pas son nom. Parfait. Merci, madame. Donc, la municipalité, est-ce qu'elle paye des frais d'avocat dans le dossier? Alors, évidemment, le mandat vient d'être donné par résolution. À ce jour, on a 15 000 $ de frais qui a été payé là-dessus. Il est engagé. Question également pour le prochain projet Valenceau qui a été demandé, à savoir, le projet comptait 132 terrains et les seuls usages autorisés sont les maisons unifamiliales et les maisons unifamiliales jumelées, environ moitié-moitié de l'ordre dans le projet. Mais aussi une question pour le banc de parc. Les dépenses pour les deux bancs de parc en acier avec assises et une table de pique-nique en acier et aluminium. On pourrait préciser que les coûts des tables est en fonction du matériel anti-vandalisme et aussi anti-feu pour éviter les incidents comme on a eu au chalet des quatre bancs, qu'il ne s'agit pas de table de pique-nique en bas. On a bien entendu sur le coût élevé. On s'assure de gérer là-dessus correctement. Alexandre Paquin du domaine Patnaud, pour les puits, on posait des questions à savoir si une étude avait été faite pour tout le territoire. La réponse était non, pas pour tout le territoire, je l'avais déjà dit. Mais dans le cadre des demandes de CA pour les puits municipaux, une étude hydrologique a été réalisée. Cette étude évalue, entre autres, les disponibilités en eau, les capacités de recharge de la nappe et de nombreux autres critères techniques. Donc, évidemment, on me demandait si on pouvait avoir copie de rapport. Pour moi, la copie de rapport n'est pas publique et ceux qui veulent peuvent faire la demande par l'accès à l'information. On m'a demandé également si on pouvait valider, à savoir si on payait les taxes de bienvenue et également les taxes en général, l'évaluation au domaine de la fierté. Alors, les transactions immobilières des résidences évaluées au domaine sont assujetties à la taxe de bienvenue et au rôle d'évaluation du secteur qui tient compte de l'ensemble des bâtiments permanents. Monsieur François Dupuis, qui a posé une question qui était au moment, excusez-moi, qui aurait l'autorité nécessaire pour mettre en branle les mesures correctives? Bien, évidemment, une résolution vient d'être adoptée à cet effet, puisque la municipalité a maintenant quorum au conseil municipal pour voter. Cette dernière assurera le suivi du dossier. Bien que puis on me posait la question au niveau de la confiance, bien que sous les conseils précédents, la municipalité est au courant de la situation, le rapport de la commission municipale précise également que la nouvelle direction ne tolérait déjà plus le statu quo dans ce dossier et j'ai confiance que le personnel municipal actuel en place pourra gérer ce dossier. Monsieur Daniel Henry, qui pose, excusez-moi, des jeunes. Bon, évidemment, on a parlé de 1500 portes à l'époque. C'est ce qui a été amené comme question. Alors, ce n'est pas 1500 portes, le projet qui est là. C'est un projet qui est, petite précision, là, on parle de 900 portes, différents usages. On parle de multifamilial, d'unifamilial, de jumelé, de centre pour personnes âgées. Un beau projet de mixité résidentielle. On me demandait si rapport de qui est ce document. On me demandait juste une seconde, excusez-moi, si on avait intention de le rapport. Bien évidemment, le rapport hydrologique, là, si c'est ça, n'est pas public. Toujours passé par la loi de l'accès à l'information.
Madame Claudel, j'ai pas le nom de famille, là, du domaine Patnaud, m'a posé des questions pour le projet de développement de Terre des Jeunes. Quel était notre plan au niveau des routes, trafic? Alors, ben écoutez, la réponse, c'est qu'évidemment, c'est pas complété avec la nouvelle 125, mais le MTQ va revoir l'intersection au rang du cordon au coin de la 125 et l'an prochain, et l'ajout du projet de la 25 va retirer énormément de véhicules de transit dans le secteur. Grosso modo, c'est la réponse. Maxime Aubin du 2139 rue du Quelquejou, domaine Patnaud. C'est possible d'avoir un meilleur suivi de déneigement pour le domaine Patnaud, d'opération de glaçage. Alors, nous allons. Je demanderai évidemment qu'on fasse les requêtes, si possible, puis demandez votre numéro de requête aux gens. Quand vous appelez, quand il y a une problématique, appelez et demandez votre numéro de requête. C'est important, ça nous assure un meilleur suivi au niveau de la municipalité, mais nous allons faire le suivi auprès du directeur des travaux publics là-dessus. Alors, c'est la réponse. Également, on me posait la question si le marquage des rues était terminé. Oui, il est terminé. Ça avait été répondu. On m'avait posé une question pour... Les projets sont arrivés. Ah oui, ça a été répondu. Excusez-moi. Mélanie Tremblay du Lac Maurice qui voulait savoir si. Excusez-moi, pas le malité. C'est Gaétan Autot sur la rue du Domaine des Copains. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Désolé. Donc, la rue en sable est en train de s'effondrer. Donc, les crevasses seront corrigées cette année et les fossés en 2023. Donc, ça va être fait. Nous, également, on avait une question pour la SP régionale, à savoir qu'est-ce serait un peu la suite. Il y en a pas, la suite, c'est que nous irons en appel d'offres cet automne. Le contrat vient à échéance le 31 décembre 2022. Dernière question, le maire avait dit qu'il y aurait de l'asphalte sur la 125 qui se ferait rapidement. Bon, évidemment, c'est pas quand on nous donne de l'information, c'est l'MTQ qui nous donne l'info. C'est pas comment je veux dire, avec un saut de garantie tout le temps, mais c'est l'info que l'on a. C'est pas mal parce que c'est eux qui le font. La municipalité s'est plaint régulièrement au MTQ de l'état de la 125 et fait le suivi régulier sur les chantiers des travaux. Les ingénieurs étaient en grève ce printemps, les ingénieurs du gouvernement. Mais à l'heure où on se parle, les ornières seront réparées avant l'hiver et d'autres travaux réalisés cet automne. Je ne vous cacherai pas que les discussions avec MTQ sont parfois pénibles. Il est difficile, on a difficilement accès à leur échéancier de travaux. En gros, c'est les réponses que j'ai de la dernière assemblée. Oui. Oui. Oups. Excusez-moi. J'en ai passé une. Celle-là? Oui. D'accord. Ah oui. Pour le projet Terre des Jeunes, on nous a demandé, Mme Hélène Saint-Amand, nous a demandé si on pouvait confirmer si le projet avait été accepté ou pas. Et surtout, ça avait été répondu. Ce qui était important, c'est pourquoi l'achat du terrain, les puits éventuels, là, c'était ça. Pourquoi que l'achat du terrain pour les puits éventuels nécessitait dans ce projet-là? Pourquoi la municipalité qui va endosser tous les frais de ce projet? Alors, peut-être les précisions, c'est que le terrain acheté est une réserve à long terme pour s'assurer de pouvoir y forer un nouveau puits au besoin et le raccorder au réseau existant. Ce n'est pas pour les besoins du projet de Terre des Jeunes, les puits en attente d'autorisation au ministère de l'Environnement sont situés sur des terrains cédés sans frais lors de l'approbation du lotissement. Voilà. Bon. Alors, avant de débuter la période de questions, rappel, si possible, deux questions.
j'apprécierais qu'on ne se parle pas entre sous, mais que la discussion se fasse entre nous. J'aimerais que les gens qui veulent poser des questions se lèvent debout et qu'ils ne s'en rajoutent pas par la suite. Alors, il est... Parfait. Juste compter le nombre de personnes. T'en occupes. Alors, deux questions par personne. Que la première personne vienne, Mme Saint-Amand. Oui, allez. Allez-y. Ben justement, ça concerne ma première question à la période de questions. Étant donné le nombre de personnes qui se présentent depuis quelques réunions ici, puis que la période de questions est supposée de favoriser les citoyens, est-ce qu'il serait possible de changer et d'extensionner un petit peu nos périodes de questions? Parce que là, 2 minutes par personne, là, c'est un petit peu trop rapide, là, je trouve. Ben, ça ne vous donne pas le temps de répondre, puis nous, ça nous, on est obligé de se dépêcher. Alors, écoutez, je ne veux pas en faire votre première question. Alors, c'est ma première question. Est-ce que c'est possible de repenser c'est à ça? C'est possible si le conseil le désire. Parfait. Alors, je vais faire ça bien vite, justement, parce qu'on est pressé. Non, allez-y. La question, vous avez tout à l'heure, vous l'aviez oui. oublié, mais il y a un petit bout, là, j'ai juste pas compris. Est-ce que les plans ont été autorisés maintenant pour le projet Terre des jeunes ou c'est encore pas sûr? Il y a un projet d'autoriser, mais pas les plans. Les plans globaux ne sont pas autorisés. C'est pas tout fini. Okay. C'était juste mais ça. Il y a un projet qui est là. Il y a un projet qui va de l'avant. Okay. C'est sûr, là, on fait pas, on n'avance pas des choses comme ça. Là. Bien, c'est ça, mais c'est pas encore prêt à construire et il n'y a tout, pas là. De permis qui s'émette. Il n'y a pas de service dans les rues. OK. Il n'y a pas de service dans les rues encore sur ce projet-là. Il faut passer l'aqueduc. Parce que là, ils ont déjà commencé à tout déboiser. Là. C'est pour ça qu'on se pose la question. Alors, ça, oui, j'imagine. OK. J'imagine que donc, ce ça, projet, c'est correct. Okay. Bien, c'est avec permis. OK. Ça va? Juste une question. Je vais vite, là. La lettre de démission du maire, est-ce que c'est possible d'avoir la date, s'il vous plaît, Mme Girard? Ou c'est pas possible? En date d'aujourd'hui. Ah, c'est en date d'aujourd'hui? OK. Ça va? Et puis, la dernière affaire, c'est est-ce que... Je suis un petit peu tannante avec ça, là. Mais ça fait avant, 4 questions, madame. Ça ben, fait 4. Pas grave. Non, mais vous n'avez pas le temps. Pas grave. J'ai pris juste 1 minute et demie. Allez-y. Alors là... Allez-y, est-ce que ça va être possible, s'il vous plaît, à un moment donné, quand vous aurez du temps, là, d'amener une politique d'arbres pour la municipalité quand il y a des nouveaux développements par rapport à l'environnement, s'il vous plaît? Ça, c'est un service. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est une question que... Juste redonner votre nom, s'il vous plaît. Lise. Okay. Du domaine Patneau. Oui. C'est une question qui est d'ordre technique, en fin de compte. Là. Vous avez fait une détection de fuite d'eau potable, probablement dans le village. Mm-hmm. Moi, je voulais savoir comment est-ce que ça s'organisait pour réparer tout ça. Les personnes qui ont des puits et des tanks septiques, est-ce qu'ils participent à la réparation de ces bris-là quand il s'agit de l'aqueduc? Bien, habituellement, l'aqueduc, c'est les gens, c'est les utilisateurs qui s'en occupent. C'est seulement les c'est personnes ça. Qui ont l'eau de la municipalité qui... Qui payent. Qui, OK. La deuxième question, qui est référée à voirie et développement au point 26-27. Vous parlez d'un nettoyage de patinoires. Oui. On parle de 2 patinoires? Oui. Est-ce que c'est quoi... Combien? La machine, est-ce que c'est une Zamboni qui vient nettoyer ça? Ben moi, il y avait comme une Zamboni, là, de mémoire. C'est un genre de... Tout à fait. Parce que c'est très, très, très cher, là, vous me dites. Oui, mais c'est en location, il nous l'ouvre pour ça. Là. Il, okay. nous, il nous passe, il fait l'entretien de la glace, là, okay, parce annuel. Que y a c'est pas la première année, là. Au point 27, il y a le déneigement des espaces publics que vous avez mentionné, entre 400 et 1 000 Oui, ben en fait, c'est juste un petit ajout, ça, là, cet espace-là. OK. C'est un ajout qu'il y a, qui est la bibliothèque et... 22,50. OK. C'est juste un ajout à un contrat existant. OK. Parce que c'est quand même...
c'est quand même la même grandeur, si vous me dites, là, deux stationnements, là, par rapport à deux patinoires. C'est pour ça que... Ah, ben c'est pas comparable, là. Ce n'est pas sur les mêmes choses. Là, on parle d'entretien. Là, de... Bien, je vous remercie. Bienvenue. Oui, Stéphane, je peux-tu juste rajouter quelque chose à madame? Oui. Non, madame, je voudrais juste rajouter quelque chose. Nos patinoires, là, sont renommées, là, qui sont très bien entretenues. C'est comme une zone bonnie que M. Péloquin prend, puis elles sont super bien entretenues. Puis on va en avoir une deuxième qui va être en haut, à le terrain de péton pour les petits-enfants. C'est pour ça que, tu sais, tant qu'on dit que ça coûte cher, oui, il n'y a rien de gratis aujourd'hui, il n'y a rien de gratis aujourd'hui, mais on a un très bon service avec... puis ça, c'est à part. C'est bien. Monsieur Normand Martineau. Oui, merci bien. Premièrement, je fais rapidement, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à M. Rollin. OK. Bonne fête. C'est mon seul doyen. Considérez pas ça comme une question. S'il vous plaît, allez-y. Okay. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir fait les recherches à ma question du mois dernier. J'anticipais peut-être que vous n'auriez pas trouvé la réponse. Fait que j'ai cherché aussi de mon côté, puis je suis arrivé à la même résolution. Donc, on est synchronisé, il n'y a pas de problème, c'est bon signe. OK? Fait qu'avant que je vous pose mes deux questions, puis ça va être assez rapide, OK? Je voudrais juste vous mettre dans un scénario, OK? La résolution 2009-R366 qui considère que c'est le contrat de déneigement pour le camping puis tout ça, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est le maire Desormiers qui a proposé le contrat pour déneiger son terrain. OK? Ça, j'ai aucun conflit d'intérêt quand ça a été pris, cette résolution-là. Ceci étant dit, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour la mise en place. Okay? Ma question, par contre, c'est davantage pour les résidents qui habitent le camping. Pas juste eux autres, d'autres rues ailleurs, mais principalement eux autres qui sont affectés. Votre question. Pourquoi des gens qui habitent le camping, qui payent des taxes municipales, ne peuvent pas avoir le déneigement de la municipalité? Ben, ils peuvent en avoir. C'est le conseil qui détermine ça. Okay. C'est le conseil qui peut déterminer si des rues privées peuvent être ouvertes. Mais il y a des critères à ça. Et il y a des critères qui sont bien marqués. Bien établis. Bien établis. Alors, okay. Donc, si on remplit ces critères-là, le conseil, après ça, peut déterminer s'il le fait ou pas. À partir de maintenant, puis de votre réponse, on peut supposer que les critères n'étaient pas remplis lorsqu'on a retiré les rues du contrat en question. Comme j'ai parlé, il était pas pleinement rempli. OK. Donc, on se comprend. Ma dernière question, c'est à partir de maintenant que la preuve est faite que le lieu du déneigement, OK, il y avait des contrats liés à ça, je voudrais savoir, ça a fait pendant combien d'années on a pris les taxes des citoyens pour déneiger le camping pour le propriétaire? J'ai pas la date quand est-ce que ça a commencé, mais je pense que ça fait un bon moment. Mais je sais pas les dates, mais je pense que il faudrait que je regarde les dates, je sais pas. Il faudrait qu'on fasse des recherches, on va revenir. Est-ce que vous pourriez, oui? On va faire des recherches, ben. Parce que mon successeur vous donnera l'information. Oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est parce que vous comprendrez que si c'était pas, ça remplissait pas les critères, je ne peux pas comprendre que la municipalité a déneigé. Si elle l'a déneigé un mois, c'est peut-être une erreur. Mm-hmm. Mais si on parle d'années et plusieurs années, il y a un gros problème qu'il y avait là. OK? Fait qu'on attend pour le prochain. Vous attendez les réponses. Puis la même chose que le mois dernier, je m'engage à être présent pour obtenir la réponse. J'imagine. OK? Merci. Bonjour, mon nom est François Gagnon, j'habite le domaine du lac Sainte-Julienne. Je ne sais pas s'il y en a qui savent où c'est, en tout cas, il y en a sûrement beaucoup qui ne savent pas où c'est, parce que le domaine du lac Sainte-Julienne, qui est dans le noyau du village, on parlait tout à l'heure du noyau, est encore en gravelle en 2022, alors que tout le noyau du village, à ce que je sache, est en asphalte. Alors, je sais, pour introduire une phrase qui va devenir désormais célèbre, quelqu'un m'a dit que dans l'administration précédente, ce dossier-là avait été formulé, qu'il y avait déjà des études qui avaient été entreprises pour soumettre au moins une proposition aux résidents du domaine. Et je voulais m'assurer que ce dossier-là n'est pas retourné en dessous de la pile. Alors, j'aimerais ça que quelqu'un essaye de faire une recherche puis voir où en est rendu ce dossier-là. D'accord. Deuxième question.
En fait, ma question rejoint un peu le fil de Mme Saint-Amand, qui parlait d'établir une politique sur les arbres. Moi, je pense qu'à la municipalité de Sainte-Julienne, on devrait amorcer une réflexion sur le développement même de Sainte-Julienne. Parce que là, on bâtit des maisons sans se demander si les services qu'on offre à la population vont répondre à tous ces résidents-là. À date, on sait qu'on a un bureau de poste qui fonctionne la moitié du temps, on a 4 fast-food, quelques commerces, et on agrandit la population, on laisse les gens venir s'installer, et je trouve qu'on ne met pas beaucoup d'accent sur le développement de services qui vont servir à cette population-là. Il faut aussi se demander s'il n'y a pas lieu de réfléchir, comme les autres municipalités environnantes ou plusieurs à travers la province, sur la pertinence d'amener des nouveaux résidents et de pouvoir répondre au sujet de l'eau, être capable de fournir tout le monde. Je reviens au service. Votre question, précisément? Mais la question, c'est est-ce que le conseil peut amorcer une réflexion là-dessus? On peut amorcer la réflexion, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'au niveau de l'eau, au niveau des égouts, Sainte-Julienne, dans le moment, a ce qu'il faut au niveau, en matière d'eau. On n'est pas dans du surdéveloppement. Et ce qui a été prévu aussi pour prévoir le développement. Et on a un terrain, le terrain que je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, on parle d'un terrain en réserve. Donc, c'est ce qu'on a. Évidemment, on se fie évidemment à nos professionnels. Je ne suis pas un expert en eau. Donc, c'est eux qui déterminent ces choses. Très bien. Merci. Hein, Stéphane, juste pour ajouter, Oui, M. Ricard. On a déjà 2 puits de creusée qui ne servent pas encore, qui ne sont pas plugués sur le réseau, qui ne sont pas dans la même nappe phréatique. Puis qui y a beaucoup, beaucoup d'eau, plusieurs pas. Puis l'autre terrain qu'on parle, c'est un autre qu'on pourrait utiliser d'autres puits pour faire des puits éventuellement qu'on aurait besoin. C'est bon de le dire à la population parce que. Tu sais, la population, on a 2 en qui ne sont pas plugués. Ils ne sont pas classifiés à Saint-Lin. Saint-Lin, ce n'est pas Sainte-Julienne. Non, c'est une bonne nouvelle en soi. Puis je ne pense pas qu'on veuille s'en aller là, nous autres, en tant que conseillers, à faire un manque d'eau à Sainte-Julienne. On est loin de là. Je suis content de l'apprendre, mais au-delà de cette réflexion-là sur l'eau, il faut se questionner sur ce qu'on a l'intention de faire de Sainte-Julienne. Je pense que ça amorce un débat de fond à travers la population. On peut se demander qu'est-ce qu'on veut. Cette ville-là. Monsieur Turcotte, allez-y. Votre question est parfaite parce que oui, ça fait partie du développement. C'est vraiment avoir des maisons. Il y a du service à rentrer. On a une ville à faire éclater parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis votre préoccupation est la nôtre aussi. Merci pour cette question. Merci. Bonjour, monsieur. Votre nom? Alexandre Paquin. Domaine Patnaud. Oui. Une question pour vous. Domaine Terre des Jeunes. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir le plan. Vous avez approuvé, vous dites depuis tantôt, vous avez approuvé un plan de projet. Parce que pour que le monsieur Maury, il déboise comme il a déboisé, il y a un plan d'approuvé. Il y a un plan d'approuvé. Là-dessus. Mm-hmm. Pourquoi qu'il y a un omerta sur ce projet-là, comme ça, à Sainte-Julienne? J'ai fait une demande d'accès à l'information, puis on me dit que c'est du secret industriel, mais il y a plein de monde qui se promène avec ce plan-là des mains, puis ils sortent des affaires. Ben, je sais pas, moi. Les agents d'immeubles qui ont des 1500 portes dans leurs mains, vous autres, vous dites 900. Moi, je me suis. Moi, faire une petite soirée. Je suis parti de l'Assomption avec un terrain de 6000 pieds où on était empilé un par-dessus l'autre, OK? Mm-hmm. Pour m'en aller 7 à 32 000 pieds. Puis le promoteur, j'y ai parlé après la dernière séance du conseil, OK? Puis j'ai dit, je comprends pas, vous allez mettre 1500 ou 900 portes dans un terrain de 2,5 millions de pieds carrés. Faites le calcul rapide, là. C'est des terrains de 5000 pieds carrés. Le monde, il parle de Mascouche, il parle de Terrebonne, parce qu'ils sont écœurés. Non, laissez-moi finir, j'ai 2 minutes. J'aurais une question. On parle de Terrebonne, parce qu'on est empilé un par-dessus l'autre. On s'en vient ici, pour des 37 000 pieds. Puis le promoteur, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Des 37 000 pieds, c'est du vrai gaspillage. Moi, je rentre 8 maisons là-dessus. Fait que ça, c'est la vision de la ville que vous avez qu'on veut s'en aller en 2022 ici à Sainte-Julienne? Là, il y a 2 questions. Ben, j'en ai une, oui. OK. Ça. Ben. Pourquoi? Il n'y a pas d'omerta. Ça, c'était votre première question. Pourquoi on n'a pas accès, M. Il n'y en a pas accès parce qu'il y a des documents qui sont des documents de professionnels. Oui, mais excusez-moi, laissez-moi compléter. Laissez-moi compléter, s'il vous plaît. Deux secondes, je vais essayer de vous répondre. Oui. Donc, des documents de professionnels, il y a des copyrights, il y a des royautés là-dessus et on ne peut pas faire ça. Il faut demander. Lorsqu'il y a une demande d'accès à l'information, on doit demander leur autorisation. Ben, c'est ça que j'ai fait. Alors, s'ils ne veulent pas, malheureusement, on ne peut pas. Okay. C'est des documents qui sont.
qui sont qu'on ne peut pas copier la ville, peut pas le faire. Mais je comprends, mais au final, M. Martineau, là, c'est qu'on va vivre avec ces conséquences-là. Monsieur Brault, il est là-bas. Ouais. Juste une seconde aussi, juste répondre à votre deuxième question. Là. Ouais. Le projet, dans le moment, quand on est dans le périmètre urbain, c'est ce que le gouvernement veut, c'est ce que tout. Quand on est dans le périmètre urbain, on doit densifier. Les projets de développement vont se faire. Il n'y a plus aucun projet de développement à l'intérieur du périmètre urbain qui, lorsque le prochain plan d'urbanisme va être adopté, pourra se faire avec un seul sans-service. Ça, je suis d'accord avec ça. Alors, mais si on développe avec deux services, évidemment, on diminue le terrain parce que c'est là que ça devient économiquement non rentable de le faire. Attendez, il y a des limites. Là, le monsieur, là, il veut mettre des huitplex, des triplex. Ils veulent l'empiler le plus possible dans le périmètre carré. On s'entend-tu qu'il pourrait faire un quartier comme il a fait à Saint-Lin, l'unifamilial avec des 6 000 pieds carrés? Il ferait juste moins d'argent sur le dos de nous autres. Oui. Puis lui, là, il habite à Terrebonne. Fait qu'au final, là, il s'en calisse qu'on soit pogné dans le chemin ici, qu'on soit tout empilé un par-dessus l'autre. OK? Ben, écoutez. Ben, pourquoi que nous autres, comme population de Saint-Julien, on va vivre avec les conséquences que vous autres allez avoir décidé avec votre plan que lui va vous avoir soumis? Écoutez, ce plan-là, dans le moment, là, on a un développement de belle mixité. On a un beau. Laissez-moi compléter. Un beau projet de mixité. Arrêtez de le cacher. On va, fort possiblement, soyez pas inquiets, le propriétaire, il y aurait bien des. En tout cas, on verra avec lui, là. Je verrai. Non, on mais pour, moi, c'est on ça, verra je le président conseil sur les capes. Monsieur Rollin, j'ai parlé de mon passé, puis il m'a dit que c'était un beau projet, mais montrez la population. Montrez-les, ciboires. Arrêtez de le cacher, Chris. À Terrebonne, là, ils l'ont fait à Terrebonne, monsieur, l'acceptation sociale. Martin Cousineau, il a acheté le golf des Moulins il y a 5 ans. Il n'est pas là de le développer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acceptation sociale. Pourquoi qu'ici, on ne fait pas la même affaire? Bien, il y a ici, dans le moment... Mais non, on ne fait pas ça. On le cache, le projet. Il est approuvé. Ils ont déboisé. S'il vous plaît. Arrêtez, là. Non. Bien, écoutez, moi, je vous réponds là, aux questions que je suis capable de répondre, là. Par rapport aux documents qu'on peut donner, puis d'autres pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la population va être au courant de ce qui s'en vient comme projet. Après que ça soit approuvé? On a des projets, il y a déjà une partie qui est faite. M. Brault, avant ou après que ça va être approuvé? On va le savoir, le projet? Le projet, au moment où on se parle, de zonage, est déjà là. Il est déjà autorisé. Il est déjà là, pourquoi que vous ne le montrez pas? Mais parce que c'est le propriétaire qu'il faut qu'il... Un projet est approuvé, mais on ne peut pas le montrer à la population. C'est ça que vous êtes en train de dire. On va vous revenir. Je vais vous revenir avec ce qu'on... Sérieusement, vous revenir, parce que ça n'a aucun... Je vais vous revenir avec ce qu'on peut donner. OK? Merci. Comme info. Public. Bonsoir. Non. Oui. Bonsoir tout le monde. Vous ne me connaissez pas, mais je suis sûre que vous avez tous entendu parler de moi, Joanne Letourneau. Je vais vous parler de la rue Jeannick. Ça fait assez longtemps que ça dure. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire dans le développement. J'ai une requête de faits il y a plusieurs mois. Comme de quoi que nous, on n'a pas le système d'aqueduc, mais on est pas mal inondé la propriété. En 2017, j'ai fait venir la sécurité publique. La MRC de Montcalm, M. Vincent Audette est venu. La municipalité de Sainte-Julienne s'est présentée également. M. Denise de la sécurité publique est venu. On est complètement inondé, nous. La nappe phréatique, tout le monde est plus haut que nous. Tout le monde s'est construit plus haut que nous. Depuis 2017, là, ça nous monte par-dessus les chevilles. Cet hiver, on a eu une problématique avec le voisinage. Lui, il réquisitionne tous les terrains. Il a réquisitionné la rue. Il a dit que ça lui appartenait, la rue Jeannick. Moi, j'ai vu que vous avez mis ça dans les mains de vos avocats. Moi, j'ai demandé à ma notaire la semaine passée de faire une recherche sur la rue Jeannick. Et finalement, elle a trouvé que ça appartenait à la municipalité. Je n'ai pas eu de misère à croire que ça appartenait à la municipalité. Il y a une tournée de charrues. Moi, M. Beauséjour est venu avec un loader, un camion. Ils ont vidé le gros tas que le voisin fait. Comme si on n'était pas assez inondé, il met ça dans le terrain de la municipalité. Tout est beau pour lui. Il nous a fait déblayer ça. J'ai des belles vidéos que tout de suite, dès que les camions ont été partis, tu as refait un tas aussi haut que le garage pour être sûr qu'on est bien inondé. Je comprends. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Oui. Je vais y arriver à ma question. Vous avez fait venir un loader. Vous avez fait venir une pelle mécanique pour ramasser le deuxième tas, monsieur. Désormier, en tout cas, les autres s'appelaient Richard et Jeannick, ils se tutoyaient, moi, je n'avais pas le droit à la parole.
J'ai essayé d'expliquer que la sécurité publique était venue parce qu'on était inondés, mais il m'a dit, madame, on ne parle pas du passé. Alors, pourquoi il est venu? Si je n'ai pas le droit à la parole. Je ne sais pas, madame. Bon, écoutez. Votre question. Il n'a pas voulu, faire enlever le gros tas de neige qu'elle a remis par-dessus la tournée de la charrue. OK. On a été beaucoup inondés. Bravo à la voisine. Je la remercie beaucoup. Un plus okay. ou un Mais moins. Votre question avec la municipalité. La question. Vous deviez vous occuper à l'automne de la rue Janic. Mm-hmm. La requête est faite. Ça fait longtemps qu'on patiente. J'ai fait beaucoup de demandes. Je viens vous voir à l'hôtel de ville. Je demande qu'on me rappelle. Mm-hmm. On ne me rappelle pas. Je me présente régulièrement à l'hôtel de ville oui. pour représenter ma famille. Okay. Et personne ne me retourne l'appel. Personne. Nous, dans le trou, là, en bas, de la rue Janic, là, mm-hmm. je pense qu'on est ignorés. Je n'ai pas de système d'acaduc, mais okay. je peux vous jurer mais que question, j'ai bien madame. La question, quand est-ce que vous allez la faire, la maudite rue? Il n'y a personne qui est capable de monter l'hiver parce que le voisin, il enlève tout le gravat, il empêche de mettre du sable, il nous fait du trouble par-dessus de même la tête. Okay, là. Quand est-ce que vous allez la faire, la rue? Quand est-ce que vous allez reconnaître que c'est à vous? Hier, il a enlevé ses poteaux avec ses petites cordes, défense de passé, terrain privé, nanana, entre moi, la ville et vous. Mm-hmm. J'ai enduré, okay. là, monsieur, mais là, on n'endure plus. Quand allez-vous vous mettre vos culottes, puis arriver, puis faire la maudite de rue qu'on passe un autre appel? Je l'ai écouté, madame, là, ce litige-là, on a été discuté. Quand okay? est-ce? Moi, j'ai pas été au courant, là. Ça a été là. Discuté avec la ville, à ville. Et ouais. là, pour l'instant, là, je dois faire attention, hein, parce qu'il y a des... Nous, de notre côté, on va s'assurer que la propriété municipale le soit. On va s'assurer qu'on est bien chez nous. Ma notaire a dit qu'on était... Vous êtes vraiment chez vous, puis dans le cadastre de la municipalité, c'est la ça. Rue est indiquée. Okay, madame, laissez-moi juste prendre tiens connaissance du dossier. Là. Pas vraiment, parce qu'il y a d'autres gens qui ont été. Dans ce dossier-là, j'ai été informé sommairement. J'aimerais ça être au courant de tout ce que vous avez parlé, là. Au niveau mais de c'est l'eau. Parce qu'il n'y a rien qui va se faire, là, si je comprends bien. Laissez-moi vous revenir. Je ne veux pas vous inventer des choses que je ne suis pas au courant. Là. Laissez-moi. Bien, vous me dites toujours ça. Ça fait plus d'un an qu'on me dit ça. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre ici à la table qui soit au courant. Je vais vous revenir, mais personne ne m'appelle. Personne ne me parle. Je demande des rendez-vous. Je vais vous revenir. Personne ne me reçoit. Je vais vous revenir. Ça va faire, monsieur. Je vais vous revenir. Mettez vos culottes. Non. Écoutez, madame, là, je les ai. Puis je peux vous dire, je vais vous revenir. Je m'excuse, là. Merci, madame. C'était ma première question. Allez-y pour la deuxième. La deuxième. Je m'excuse tout le monde. Allez-y. Le déneigement. On oui. va-tu finir par être déneigé sans que le voisin arrête la charrue? Pour que mes petits-enfants puissent aller à l'école, que mes enfants puissent aller travailler. Je vais vous revenir au même moment, madame. Moi, je t'annonce qu'on arrête la charrue. Je vais vous revenir au même moment, madame. OK? C'est le mieux que je peux vous donner, là. Quand est-ce que vous allez me revenir? D'ici un mois. D'ici un mois? Laissez-moi le temps de parler aux gens. Je parle, je non, reviens. Non, moi, je pense que j'ai été suffisamment patiente. Parfait. Si dans une semaine, je n'ai pas de nouvelles, oui. ça va brasser. Écoutez, merci. Merci, madame. Merci beaucoup de votre écoute. C'est moi, Joanne Letourneau. Si personne ne m'a reconnue, c'est moi. OK, les trois derniers. Bonjour. Allez-y. Vous avez des questions? OK, d'accord. On va. Il y a une personne? Deux. OK. Parfait. Allez-y. Aussi. Daniel Henry, j'habite le district 4. Oui. Je vous remercie d'avoir répondu à ma question tantôt. Je m'excuse de ma naïveté, mais les documents de professionnels que vous parlez, qui étaient payés par les citoyens de la ville de Sainte-Julienne, je ne comprends pas. Que c'est pas accessible, c'est pas public. Écoutez, c'est parce les... que c'était payé avec nos taxes. Ça, techniquement, ça devrait nous appartenir, ce document-là. Je comprends pas qu'on n'y a pas accès. On est couvert par les droits d'auteur, puis dans ces demandes-là, on doit demander aux gens s'ils sont d'accord à ce que les documents soient copiés ou transmis. Alors, d'une étude hydrologique, là. On parle d'une étude. Livre, oui, tout à fait. Recette, tout à fait.
Non, non, je comprends. Je comprends très bien votre question. Je comprends. Mais c'est la réponse que je dois vous donner. Je ne suis pas un spécialiste là, de l'accès aux documents là, et l'accès à l'information et la protection des données privées. Mais c'est ça la réalité normalement, que je vous donne. Là. C'est la réponse un peu plate, mais qui est celle-là. Bon, puis pour ma deuxième question, ça concerne toujours le même document. Lequel d'entre vous qui l'a lu au complet, ce document-là, qui ne l'a pris connaissance? Au complet? Oui. Je ne l'ai pas lu au complet. Il n'y a personne qui a consulté. Moi, je parle en mon nom, là. Je ne parlais pas au nom des autres. Là. Il y a un projet de 900 portes qui s'en vient, puis il n'y a personne d'entre vous qui a étudié ce document-là. Pour l'hydrologie? Pour l'hydrologie. L'hydrologie n'était pas nécessairement pour les 900 portes, là. C'est ça, là. Non, bien, c'est parce que. C'est les puits qui sont là, sont là depuis longtemps. Ce terrain-là va être en dessous de ces 900 portes-là, là. En fait, ma question. Non, il est autour. C'est pas vous prendre en défaut, là. Mm-hmm. Moi, je voulais poser la question à la personne qui a lu le document, à savoir, bien, c'est quoi le mètre cube annuel qui est capable de fournir ce nappe-là? Et est-ce que l'étude tient compte du fait qu'on va complètement assécher le terrain? Parce qu'avec 900 portes, les rues, les fossés, 900 portes, on parle de possiblement 1800 voitures à stationner. Là. Ouais. Il ne restera pas beaucoup de pouces carrés de verre. Là. On parle... Il n'y a pas beaucoup d'eau qui va rentrer dans ce terrain-là. Là. Okay. Ben, écoutez, on va répondre à ces questions-là. Vous avez... Vos questions ont été claires. Merci. Oui, madame. Bonjour, Julie Mélanger, du district 4. Mm-hmm. Monsieur Harry a pas mal posé ce que je voulais poser. Ma deuxième question, il était censé avoir un comité consultatif qui avait été créé. Il y avait d'ailleurs Mme Saint-Amand qui était dessus, au préalable avec M. Charron, je pense. Hein. Puis quand la mairie en place a été mise avec M. Desormiers, on n'a plus jamais entendu parler. Je ne suis pas au courant de ce comité-là. On en a parlé à la dernière séance. Moi, je m'en souviens. Oui, mais moi, je n'étais pas au courant de ce comité-là. OK. OK. Je l'ai entendu, vous aussi. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire suite à ça, un comité consultatif citoyen pour le nouveau projet de développement? Parce que là, toutes les mêmes questions reviennent. On veut voir les plans. Je vais laisser mon successeur qui est s'occuper de ce dossier-là. C'est intéressant. Puis du même coup, est-ce qu'en formant un comité citoyen, l'accès à l'information, on pourrait rendre ça au comité pour les documents? Là? Oui, c'est ça. J'aimerais bien suivre. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Votre nom? Bonjour, Stéphane Bastien, du domaine Patrie. En fait, je vais commencer avec une petite définition tirée à même de vos règlements. Selon le chapitre 2 du règlement de zonage 377, article 24, numéro 584-03, la définition d'un abri forestier. Bâtiment sommaire et rustique d'une superficie maximale de 40 mètres carrés, dépourvu d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné uniquement à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries. Ceci étant dit, moi je veux amener l'attention sur le 1689 Montée-la-Berge, qui a été acheté en septembre 2021 pour non-paiement de taxes à Alencan. C'est un bâtiment qui a été construit en 1962 comme fonction principale première, camp de chasse. Il est abandonné depuis plus de 20 ans. Il n'y a eu aucune autre utilisation qu'un camp de chasse. Superficie de 16 pieds et demi par 16 pieds et demi sur un petit terrain enclavé sur un coin de rue de 75 pieds par 75 pieds. Le bâtiment n'a pas de fondation. Il est sur des poutres de bois appuyées sur quelques blocs de béton. Pas de puits, pas d'entrée électrique, pas de système de chauffage, pas d'isolation. Et jusqu'au 26 août dernier, il n'y avait pas d'installation septique ni de ponceau. Votre Premièrement, question? Pourquoi des permis ont été émis pour installer une installation septique? Et pourquoi ce bâtiment, qui a toutes les caractéristiques d'un abri forestier ou à la limite même d'un cabanon, a-t-il les droits acquis d'un logement? C'est la question que je me pose sérieusement. Votre première question, pourquoi ils ont émis un permis d'installation septique? J'imagine. Ah, parce qu'évidemment, oui. Je n'ai pas le permis devant moi. Que la propriétaire n'a pas affiché d'ailleurs au moment de faire son installation, ni même pour peut-être, l'établissement d'un ponceau. Qui aurait été obtenu, c'est ce que je comprends. Là. Qui aurait été obtenu, c'est ça. On va valider. S'il a été obtenu, j'imagine que ça a été fait en conformité avec les règlements environnementaux, là, le Q2R22 là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, votre question, c'était de savoir si
l'usage? Ben, pourquoi ce bâtiment-là, qui a été construit comme un camp de chasse, qui a toujours été utilisé comme ça, aujourd'hui est-il considéré comme un logement? Écoutez, et qu'elle a pu obtenir des permis pour installer une installation septique et se connecter au chemin pour éventuellement devenir un bâtiment d'habitation. On va s'informer auprès du service d'urbanisme pour vous donner une réponse cohérente là-dessus, là, parce qu'il y a une question, il y a peut-être... Stéphane, on a eu les emails de ça. Là. On a passé les emails. Là. Je pense que votre femme a été bien répondue par Simon Bravanger ici. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions. Puis il y a eu beaucoup de réponses, mais tout est une question. Pour faire court, là, c'est toute une question de est-ce que c'est conforme au règlement ou est-ce que il y a des droits acquis. C'est pas moi, c'est l'urbaniste qui va s'en occuper. Je pose la question, Simon Bravanger. Pourquoi y a-t-il des droits acquis alors que c'est... Je ne répondrai pas à quelque chose comme ça que je ne suis pas au courant. Là. Je ne peux pas... Mais s'il vous plaît, juste monsieur, oui. Allez-y, après, s'il vous plaît, oui. C'était ma question, à savoir comment tout d'un coup est parti d'un camp de chasse, donc beaucoup plus proche de la définition d'un abri forestier que d'un bâtiment habitable. Je comprends. Pourquoi là, tout d'un coup, il possède des droits acquis d'un logement? On va vous revenir avec l'information de M. Bravanger qui a en additionnel de ce qu'il vous a déjà répondu à votre conjointe, je pense. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Monsieur? Ouais. Comme le monsieur là, que vous voulez dire. Votre nom déjà? Moi, mon nom, c'est Luc Larocque. Oui, M. Larocque. Comme le monsieur qui vient de dire, son camp de chasse. Oui. Nous autres, on en a de ça. Puis le terrain, il appartient peut-être au gouvernement. Puis le monsieur, il a un droit acquis de 99 ans là-dessus. Il doit payer au gouvernement des Je ne sais pas. On va laisser le service d'urbanisme. Bon, moi, j'ai une question sur le développement que vous allez me répondre. Pourquoi on n'a pas plus d'épicerie Sainte-Julienne? C'est-tu parce qu'on est bloqué? En 75, ou 78, là, on était 1000 filles à peu près à Sainte-Julienne. On avait 3 épiceries. Là, on n'a rien qu'une. Beaucoup d'efforts ont été faits, puis ce n'est pas des dernières années. Non, mais pourquoi? Pourquoi qu'il n'y en a pas? Y a-t-il quelqu'un qui bloque les projets? Ah, pas moi. Pas moi. Moi, est-ce que je voudrais qu'il y ait... Je voudrais... Si vous voulez nous ouvrir... On est 1000, M. Larocque, si vous voulez en ouvrir... M. Larocque, si vous voulez en ouvrir un, ça nous fait plaisir de venir au service d'urbanisme. Ils vont regarder ça avec vous. Deuxième question. On avait quatre. Non, mais je veux juste savoir pourquoi. Il y a de quoi qui passe ou il y a quelqu'un qui bloque tous les projets de tout ça? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la minute qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en faire un, on est là pour l'ouvrir et l'accompagner. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout. Merci. Monsieur, après Bonjour. Ça. Vous... Dave Cole, résident du domaine Alcide-Lévesque. Oui. Pas loin des chutes d'Orwin. Oui. Je viens concernant le projet d'auberge d'Orwin, qui est en exploration présentement, là, qui font de l'exploration, qui a eu un permis de délivrer pour ça. Oui, d'exploration. Pour faire des forages. C'est ça. Ils veulent savoir où construire, à notre avis. Dans le fond, nous, ça soulève beaucoup d'inquiétudes dans le quartier, côté stabilité des sols, côté eau aussi. Mm-hmm. Il y a déjà des problèmes d'eau là-bas. Alors, ça soulève évidemment des problèmes. Une auberge de 60 portes, ça risque de prendre beaucoup d'eau. Et puis, il y a aussi je ne vais pas prendre les questions de mes amis, là, mais il y a aussi d'autres inquiétudes concernant le trafic. C'est un beau secteur, puis il y a déjà des gens qui habitent là-bas. Il faudrait peut-être respecter leur qualité de vie, là, aussi, développer ce projet-là autour de la qualité de vie des résidents. Alors, ma question, est-ce qu'il va y avoir une consultation publique auprès de ces résidents-là là, pour le développement de ce projet-là? Écoutez, le développement du projet, premièrement, on parle d'un projet potentiel. Là, oui. Parce qu'au moment où on se parle, nous, on n'a rien encore sur la table. C'est ce qu'on savait. Okay. Là, ouais. Et quand on en aura, encore une fois, je sais que ce n'est pas le fun, mais on est tenus aussi au secret. Comprenez bien que les gens qui viennent nous voir avec un projet, il faut faire attention. Non, mais vous auriez un projet. Ma question, en fait, vous comprenez. C'était pas ça. C'est ma question, c'est est-ce qu'on peut participer au dessin de ce projet-là? Là. Est-ce qu'on peut tout de suite être consulté avant qu'il s'avance dans quelque chose? Écoutez, là, dans le moment, on parle d'une très, très, très grande superficie de terrain. Oui. Qui est, dans le moment, en zone agro-touristique, en zone conservation, oui. Qui est forestier, là, ailleurs. Là. Ouais, ça, c'est quand même beaucoup de terrain. Oui.
pour faire un projet comme ça. C'est quelque chose qui est autorisé dans le moment au zonage. Quand vous êtes en zone de conservation, il y a beaucoup d'endroits où ça peut être possible. Ma question, mon Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Surtout pas là. Parce qu'il y a des endroits où c'est compliqué de faire ça. Il faut donc être prudent et attendre qu'un projet nous soit donné. Puis à partir de ce moment-là, on va voir. Mais si vous dites, est-ce qu'on pourrait empêcher ça? Ben... Ce n'est pas la question. C'est pas, j'ai jamais dit que moi, j'étais enthousiaste par rapport à ce projet-là, mais j'ai des inquiétudes. Okay. Et je veux que qu'on soit mis à la participation là, pour transmettre nos inquiétudes, que ça soit développé en fonction de ça. Là. Monsieur le conseiller du secteur. Oui. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Madame, la semaine passée sur ce sujet-là. Elle m'a demandé, moi, ce que j'en pensais. Bien, un peu comme vous, je pense que monsieur parlait de développement tantôt, puis on n'a pas d'épicerie, puis on n'a pas, on va avoir besoin, on veut bien faire connaître Sainte-Julienne, mais ça va nous prendre un hôtel. Je suis pour cet hôtel-là. Par contre, ce que je disais, et je suis d'accord avec vous, le quartier que vous êtes présentement est très paisible et je vois difficilement ce qu'on a vu qui a été ouvert, que les gens passent par là pour se rendre à un hôtel à travers un quartier qui est déjà existant puis qui est paisible. Moi, je vais être avec vous là-dedans, c'est sûr. Là, vous parlez de peut-être avoir un comité. Je ne sais pas si c'est possible. Moi, j'ai un pont entre les inquiétudes des citoyens et le promoteur du projet. Mais je vais être le pont, vous pouvez être certain. OK. En deux sens. C'est tout. Merci. Merci. Madame, mesdames, c'était les deux derniers, hein, je pense. Oui. Parfait. Daniel, prenez votre temps. Oui. Daniel Lauzon, domaine Alcide Lévesque, c'est le même sujet. Mm-hmm. Excusez, Madame Lauzon est peintre renommée. Vous regarderez ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai. Vous devriez avoir de mes œuvres ici. N'hésitez pas à communiquer avec Madame Lépine. Oui. Les citoyens, effectivement, du domaine, on s'est créé un groupe. OK. Mm-hmm. On sait qu'il n'y a aucun projet qui a été déposé encore, mais on ne veut pas se retrouver devant vous dans un an ou deux, en colère parce qu'on n'a pas été consulté, puis parce qu'il n'y a rien qui a été... qu'on n'a pas été écouté. Mm-hmm. Fait que ma question, c'est, premièrement, est-ce qu'on peut être avisé quand le projet va être déposé? Parce que là, on va entamer... Là, on a pédalé un peu pour savoir c'est quoi le zonage. J'ai zoné deux étages, j'ai pas le droit de plus que deux. Il y a six, on a ça, vous avez le zonage, OK. Hein? Ouais. Bon. Là, on va se calmer un petit peu. Il n'y a pas de projet là, qui est encore déposé. Mais là, on a l'information, mais on va se remettre en branle quand le projet va être déposé. Là. Ou si on peut commencer déjà à faire des parler. Écoutez, à moins que la réglementation soit modifiée, quand un projet rentre et qu'il est de plein droit, on doit l'accueillir, la municipalité. La municipalité ne peut pas changer les choses. Je suis d'accord, mais si par exemple, on a des préoccupations par rapport à l'eau, si on a des préoccupations par rapport au chemin pour lesquels on doit passer pour se rendre à l'hôtel ou à l'auberge, là, et que ça passe sur nos petites rues... Je pense que vous pouvez faire valoir vos points avec une rencontre... on peut se faire aussi avec le propriétaire. T'sais? Puis je pense qu'il y a moyen de discuter. C'est ça. Mais je veux juste pas qu'on pense qu'on a une obligation. C'est ça qui est important, c'est que le propriétaire est obligé. Mais il peut le faire. Il en va de l'acceptation du secteur, puis je trouve que c'est une bonne chose. Mm-hmm. S'il veut, évidemment. Oui, mais par contre, si, par exemple, on veut avoir une étude pour savoir si la nappe phréatique est apte ça, on m'a répondu que c'est peut-être la ville n'a pas d'engagement. Non, la ville n'a pas d'engagement quand les puits et les forages se font. Premièrement, c'est un CA qui va être demandé au ministère de l'Environnement. Donc, à partir de ce moment-là, la municipalité ne mettra même pas le permis de forage pour celui-là. Parce que quand on est à tant de mètres cubes d'eau, c'est le ministère de l'Environnement qui approuve ces choses-là. C'est même pas nous. Là. Nous, là, on a des limites à ça. On est en dessous de ce mètre cube-là. Écoutez, je ne sais pas, là, on parle de cas hypothétiques, là, mais je comprends ce que vous dites, je comprends votre inquiétude. Je pense que les discussions avec le propriétaire peuvent se faire. Puis à partir de ce moment-là, on verra la transparence qu'il veut donner. Mais comment on peut organiser ça, cette réunion-là, avec le propriétaire?
Ben, est-ce qu'il y a eu des discussions avec votre association jusqu'à date et lui? Non. Pas encore? OK. Mais je pense que première étape, ça sera de communiquer avec lui puis de voir. OK, donc on passe pas par, on va directement avec lui. Vous pouvez le faire, on peut le faire aussi, mais c'est je pense que la première étape, comme voisin, ça serait de le rencontrer puis voir. Là. Okay. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose dans un premier temps. OK. Puis pour le dépôt du projet, est-ce qu'on peut être avisé quand ça va être déposé? Parce que là, Dès qu'il sera de nature publique, absolument. Dès qu'on peut le faire. C'est ça. Non, moi, je n'ai pas dit que je voulais voir le projet. Je veux savoir quand il va être déposé. C'est différent, là. OK. Je comprends votre question. Écoutez, on va. Je vais. Mon prédécesseur fera du suivi là-dessus. Successeur, je vais m'excuser. Successeur. Oui, monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je t'entends bien, allez-y. Mais okay. Peut-être. Ah, tu vas le tenir? Oui. Bon. Moi, ce que je me demandais, c'est. Mon nom, c'est Yves Trottier, toujours le domaine Alcide de Vague, toujours le même problème. On a coupé 1000 arbres hein, pour faire ce carottage-là. Je ne savais pas que c'était 1000, mais je sais qu'on a coupé des arbres. Ouais. Sinon, mais c'est beaucoup. Donc, on parle de centaines, au moins 100 000 $ que ça a coûté à l'entrepreneur pour faire ça. Fait qu'il est sérieux dans son projet, si on s'entend là-dessus. Bon, moi, ce que je me demandais, c'est la zone CN220, où le projet va être construit. C'est une zone où on n'a pas le droit de faire des bâtiments de plus que 2 étages. On a le droit à 2 étages et 1 étage. Moi, je me dis qu'un projet de 60 places, comme c'est supposé être, sur 2 étages, d'après moi, ça n'a pas tellement de bon sens. Okay. Ma question, c'est, est-ce qu'on peut avoir l'assurance de la ville de Sainte-Julienne que si une modification au règlement de zonage est demandé par le promoteur, celle-ci sera soumise à une approbation par référendum des citoyens du domaine. C'est pas comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, quand il y a un changement de zonage, vous en êtes informé. Oui. Les gens qui sont habiles à voter vont signer un registre. Et si le nombre est suffisant, à partir de ce moment-là, la tenue du référendum est obligatoire. Oui, oui. Si on veut qu'on se... ou le projet arrête. Donc, à votre question, est-ce qu'il y a un processus? Oui, s'il y a une modification de zonage. On parle d'une éventuelle modification de zonage. Là. Oui, mais je parle... Ce que je dis, c'est si on demande qu'il y ait un référendum sur ce changement de zonage-là, est-ce qu'on va y avoir droit? Mais vous allez avoir droit où la ville n'est pas tenue quand il y a un référendum, quand la tenue de registre oblige le référendum, la ville n'est pas tenue de le faire. Ça veut dire que déjà une majorité de gens qui est contre, fait que la ville peut retirer tout simplement le projet d'amendement. Elle n'est pas obligée d'aller de l'avant avec ça. Mais c'est un peu comme la même chose que tenir le référendum. C'est juste que la ville ne le tient pas nécessairement. D'accord. Elle n'est pas obligée. Hein? Parce que c'est des coûts à ça, faire un référendum. Fait que si on voit qu'il y a une majorité de gens qui est en désaccord, la municipalité, le conseil, du moment, décide s'il va de l'avant ou pas avec le référendum. OK. Donc, c'est soit un refus du projet, soit un référendum. Exact. Ah, bien, c'est correct. Ça revient au même pour nous. Un peu. Mais ça, c'est bon pour tous les amendements de zonage, là, pratiquement. T'es là. D'accord. Donc, je dis pratiquement, mais il y a des petites choses. Non, mais c'est parce que j'ai entendu des projets particuliers. Tu sais, des mots comme ça, là... un projet particulier pourrait faire en sorte que la ville bypasse le droit du citoyen au référendum. Non, c'est pas ça. Ce que vous parlez, c'est pas ça. Ce que vous parlez, vous, c'est un pépé, c'est moi. Un pépé, c'est moi, c'est pas ça. Oui, il y a une notion, mais la première étape, quand elle passe, elle est elle aussi assujettie au registre. Faire avec ça. Vous avez besoin toujours de regarder, de continuer à être éveillé comme vous l'êtes. D'accord. Et puis, je ne suis pas inquiet que le projet, mais je recommande fortement, par exemple, de communiquer avec le propriétaire puis essayer d'avoir des communications avec lui. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Excellent.
Merci. Moi donc, je suis venue tantôt avec mon conjoint. Comment on met ça? Il n'y a pas de stationnement pour handicapés en arrière? Ici, à l'arrière? Ouais. Il me semble que oui. Non, il n'y en a pas. Ben, en tout cas, on n'a pas vu. Là, vous me prenez de court. Ils sont avant, à l'avant. Oui, mais en avant, il y a du gazon. Arrière, on ne peut pas rouler. Okay. Désolé. Il y en a pas. Oh, il y en a un autre? Il y en a en avant. Parce qu'il y en a un en avant, là, ouais. Du gazon, là. Non. OK, il y a après? OK, merci. Oui. Merci. Je pense qu'il y en a même deux. Alors, M. Chara, vous allez être le dernier à clôturer la période de questions. Je suis le dernier? Et oui. OK. M. Bro, je voulais juste compléter la question du monsieur qui parlait de l'auberge tantôt, près du domaine Lévesque. Oui. Ou de ce couple qui est venu au micro, de ces gens-là. Est-ce que ça peut être fait sur un projet comme PPC Moi? Je voulais amener cette question-là ça pour que les gens soient consultés. Ah, on ne sait pas le projet potentiel que ça va être fait. Personnellement, je ne trouve pas, là, si on échange. En tout cas, on pourra. C'est un très beau projet, mais on si pourra... c'est fait sur un projet PPC Moi, écoutez, les gens pourraient être consultés. Les gens pourraient être consultés si c'est un amendement de zonage. Okay. Les gens vont être consultés. Le PPC Moi n'est pas une fin en soi. Le PPC Moi est beaucoup plus une fin pour arriver avec quelque chose qui est différent au niveau de la construction, puis faire fi d'un paquet de règlements parce que ça s'impose dans le secteur. Exemple, un PPC Moi qui a été fait pour les bouddhistes. Oui. Ça a été fait parce que c'était particulier, le secteur il commandait, c'était des normes différentes puis un projet différent. Maintenant que j'ai dit ça, on va toujours bien attendre, c'est un projet potentiel. Fait que, oui. Ça va? Oui. Merci tout le monde, ça clôt la période de questions. Avant de fermer l'Assemblée, est-ce que les conseillers ont un commentaire? Monsieur René? Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'être présent en si grand nombre. Bon retour, à la prochaine. Monsieur Benoît Ricard? Merci de votre présence. Merci de votre présence. Je veux rappeler aux citoyens de Sainte-Julienne, j'ai beaucoup d'appels au niveau du centre du village, au niveau de la circulation et tout. Comme vous le savez, présentement, tout le monde prend des routes alternatives qui vont venir sur le chemin Montcalm, qui vont venir n'importe où, ils vont sortir partout dans le village. Mais ce n'est pas tout du monde de Sainte-Julienne. Les vitesses, on a beau en mettre, on a beau mettre des dos-dents, on a beau mettre des ralentisseurs. C'est réellement... personnel, faut que le monde se sensibilise à ça, parce qu'on peut pas toujours continuer à mettre des dos dans le village, dans les domaines et tout. Juste dans mon domaine, auquel que je vis, qui est le domaine Patnaud, je pense pour me rendre chez nous, j'ai 7 stops, puis j'ai 4-5 dos. À un moment donné, là, t'arrêtes, tu repars, ça n'est plate. Personne ne veut avoir un dos devant sa porte, on a des plaintes aussi là-dessus. Ils veulent avoir des dos d'âme, on en installe un moment donné, quand ils l'ont, oh, je ne l'ai vu plus le dos, parce que ça fait des boum, boum, boum quand je dors. C'est d'une sensibilisation. Au niveau de la Sûreté du Québec, tout le monde me dit, bon, OK, là, on n'a pas grand police dans le secteur, aidez-nous là-dessus, appelez-les la Sûreté du Québec. Nous autres, on en fait des demandes régulièrement à Sainte-Julienne pour que la police s'aille là, mais ça prend quand même la population qui nous aide là-dedans. Mais que les autres se fassent à Saint-Chalieu, à le bureau, peut-être qu'ils vont en mettre la surveillance après, mais ça prend votre aide avec la Sûreté du Québec. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée et bon retour à la maison. Monsieur Joël Ricard. Me fait avoir à tous les mois, il revient ici en premier. Mais c'est je veux vous souhaiter un bon mois. Je veux souhaiter bonne fête à mon ami Claude Rollin. Je suis bien content, Claude, que tu aies eu l'US. Fait que je souhaite. Je suis bien content que tout le monde soit ici en grand nombre, puis lâchez pas, puis on est là pour le bien de la municipalité, puis on veut travailler avec la municipalité. On comprend la crainte du monde. Pour les développements, on n'a pas la tête dans le sable, on voit très clair. Fait qu'on va travailler une journée à la fois, puis on va y arriver. Puis c'est sûr qu'il va en avoir des contents, puis des moins contents, mais ça, c'est la vie. Fait que, mais on va travailler quand même ensemble. Merci. Monsieur Turcotte. Oui. Moi, j'ai écouté les gens ce soir, puis il y a des gens qui sont préoccupés, qui parlaient de pourquoi on n'a pas d'épicerie, pourquoi que on développe des quartiers résidentiels et pourquoi que on n'a pas les services qu'on devrait avoir ici. S'il y a des gens qui on voudrait qu'ils viennent faire des épiceries ici, c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il faut qu'il y ait quelque chose à Sainte-Julienne qui va les attirer. Ça va être notre job, la job. Il faut être créatif. Il ne faut pas juste faire pourquoi que ça n'arrive pas. Il va falloir le créer. Il va falloir y arriver.
Donc, créer des intérêts à Sainte-Julienne pour qu'il y ait des épiceries qui s'en viennent, puis que les développements soient intelligemment faits. Puis on entend les gens, vos préoccupations là-dedans, mais on est là, mais ça ne se fera pas demain matin. Il faut le penser en globalité. C'est le gâteau qu'on travaille, c'est pas deux œufs, trois petites cuillères de farine. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut voir l'ensemble, ça va être à nous autres à créer ça pour arriver à nos fins. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui veulent ça, mais ça prend un petit peu de temps. Merci d'être là. Madame Boyer. Oui, donc j'aimerais rappeler les activités qu'on pourra voir au mois de septembre. Donc le 17 septembre prochain, on accueillera la bibliothèque La Bricadre Anticarie. Le 19 septembre, ce sera la collecte des encombrants pour le secteur B. Le 26 septembre pour le secteur A. Et le 30 septembre se tiendra la journée de la culture. Donc vous pourrez aller rencontrer Madame Colette Major McGrath à la bibliothèque. Et se tiendra ici même la collecte de sang sur rendez-vous de 13h30 à 19h30. Puis le 1er octobre prochain se tiendra aussi une autre journée de la culture qui à la bibliothèque aura comme activité l'initiation au fléché. Donc je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée. Voilà. Alors, pour ma part, je vais vous saluer. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et le prochain conseil en grand nombre, je n'ai pas la date. Je vous laisse là-dessus. Au mois d'octobre, toujours deuxième. Oups. Je pense que le message est clair. Alors, un proposeur pour la levée de l'Assemblée, Enoch. Et M. Joël Ricard appuie. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Merci. Restez.